tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la Journée mondiale de la drépanocytose. Je m'appelle Marie-Annick Le Petit, je suis présidente de la Fédération nationale des malades de drépanocytaire et thalassémie. Je suis également présidente de l'association locale SOS Lobby Nouvelle-Aquitaine. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Voilà. L'association SOS Lobby fut créée en 1991 à Créteil. Puis en 2003, sous l'impulsion des pouvoirs publics, une convention a été rédigée pour le développement d'un réseau d'associations et la Fédération des malades drépanocytaires et thalassémiques, FMDT, a été créée en 2006. La Fédération est membre de la filière de santé maladies constitutionnelles des globules rouges et de l'érythropoèse, MCGRE, mais aussi de l'Alliance maladies rares et d'Eurordis et d'Eurobloodnet. Aujourd'hui, cette organisation nationale regroupe 20 associations de proximité dont l'objet est de porter la voix des malades. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nos missions et actions sont de permettre aux malades drépanocytaires et thalassémiques de mener une vie la plus normale possible. Le réseau des associations de la Fédération s'étend dans toute la France et une nouvelle association vient de se créer à La Réunion. Nos associations locales adhèrent à la même éthique et ont les mêmes statuts et ont pour mission le développement des actions en faveur des malades et leurs familles, mais aussi de soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale et sociale en mettant l'accent sur la qualité de vie des patients, informer et sensibiliser à la drépanocytose, à la thalassémie et mener des actions de prévention, soutenir le progrès médical et la recherche scientifique. Diapo suivante, s'il vous plaît. La Fédération SOS Lobby, c'est un réseau qui est proche des malades. Voici les 20 associations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le 2 février 2021, s'est tenue l'élection d'un nouveau bureau avec moi en tant que présidente, mais aussi notre vice-président, M. Ali Satapour, notre directrice, Mme Diana Baba, notre secrétaire, Mme Michèle Adjibi, également présidente de SOS Globi PACA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Notre secrétaire adjoint, Mme Monique Duchel, notre trésorière, Mme Ouda Abassi Mokrani, notre coordinatrice des associations de proximité, Mme Adiaratou Temo. Notre bureau reçoit également une aide précieuse de la part de notre président d'honneur, M. Christian Godard, présent à nos côtés depuis la création de la Fédération. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comment se passe le conseil d'administration de la Fédération? La Fédération est constituée d'un représentant de chaque association de proximité fédérée. Il définit la stratégie et les actions de la Fédération et veille à leur bonne mise en œuvre. Il vote le budget annuel et approuve les comptes de l'exercice clos. Il se réunit au moins une fois par an. Diapo suivante, s'il vous plaît. La Fédération s'appuie également sur un conseil scientifique composé de 14 médecins. Cela nous permet de vous apporter des informations justes et non erronées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les principales missions des associations SOS Lobby sont, premier axe, de soutenir les patients et leurs familles, c'est-à-dire rompre l'isolement des malades en organisant et en prenant en charge des temps et lieux d'échange, en animant des groupes de parole, en collaborant avec des séances de TP en lien avec les centres experts, en mettant en place des groupes d'échange virtuels. Deuxième axe, améliorer la prise en charge médicale et sociale, en créant des interfaces qui permettent des médiations entre les patients et les systèmes de soins, en accompagnant les malades pour l'accès aux droits sociaux, étrangers malades, reconnaissance du handicap,
mais aussi en participant aux saisines des autorités sanitaires et sociales. Troisième axe, informer, sensibiliser et mener des actions de prévention en mettant en place des stands d'information, des journées de sensibilisation pour la drépanocytose et la thalassémie, en étant présent dans les médias locaux et en mettant l'action sur la prévention et le dépistage. Quatrième axe, soutenir le progrès et la recherche médicale. Nos associations s'impliquent dans les protocoles de recherche en aidant au questionnement des différents laboratoires et collectent des fonds au profit de la Fondation nationale de recherche contre la drépanocytose. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vous remercie tous pour votre attention et vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci également à tous nos intervenants, le professeur Mehdi Khelaf, le docteur Pierre Pascal, le docteur Muriel Rondolitz, Oulmakera Boubacar Mamou, Fanny Makwela, Dani Garcia, le docteur Nathalie Dédin, Luce Sona, professeur Pablo Bartolucci, professeur Jean-Benoît Harlet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un spécial merci pour nos partenaires institutionnels, AdMedica, Bluebird Bio, Global Blood Therapeutics et Vertex. Je laisse la parole au docteur Julie Séguier qui nous a fait l'honneur d'être présente afin d'accueillir avec moi nos intervenants. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Séguier, je suis médecin à Marseille, au centre hospitalo-universitaire de la Timone. Et je travaille dans un service de médecine interne qui prend en charge les patients atteints de maladies du globule rouge et donc notamment de drépanocytose, en collaboration avec les docteurs Jean et Fauché pour les adultes, et puis le service d'hématologie pédiatrique du docteur Turet. Merci beaucoup à la Fédération SOS Globule de m'avoir conviée à cette journée mondiale de la drépanocytose et de me permettre de modérer et d'animer cette journée avec Marianick Le Petit. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais donner la parole au docteur Pierre Pascal, qui est docteur en pharmacie, diplômé en marketing pharmaceutique et qui est directeur de projet chez Blue Deal. Et il va vous présenter l'initiative Gene & Cell Therapy Institute. Monsieur Pascal, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Séguier. Merci beaucoup à vous et à la Fédération SOS Globi de me permettre de dire quelques mots aujourd'hui sur cette association, sur le Gene & Cell Therapy Institute, dont j'assure aujourd'hui la représentation du secrétariat général. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui passe, pardon. Hop là. Donc, en fait, pour dire quelques mots, j'ai 5 minutes. Donc, c'est une association loi 1901 à but non lucratif au service de l'intérêt général. En fait, GNCTI, ou le Gene & Cell Therapy Institute, est un cercle de réflexion neutre et indépendant qui a pour objectif de construire une réponse commune aux enjeux des thérapies géniques et thérapies cellulaires et pour permettre en fait à tous de participer à cette élaboration de cette réponse. Nous avons opté pour une structure donc associative, loi 1901, avec une structure avec 5 collèges qui forment la base de l'association, qui sont le collège entreprise de santé. Vous allez retrouver les industriels de santé, mais aussi les sociétés de conseil qui travaillent dans ce domaine des médicaments de thérapie innovante. Le collège enseignement, recherche et soignants. Vous allez retrouver l'aspect scientifique de la recherche fondamentale jusqu'aux professionnels de santé au contact des patients et qui vont mettre en place ces nouvelles thérapies. Le collège patients et représentants de patients, dont la fédération SOS Globi fait partie, mais qui représente la voix des patients, qui est très importante au sein de l'Institut, au sein de ce cercle de réflexion. Le Collège Société Civile et Institutions Publiques, vous allez retrouver des passionnés de la thématique des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, mais aussi des psychologues, des philosophes et quelques institutionnels publics quand ils ne sont plus sur des fonctions stratégiques comme voter les lois. Et puis enfin, le collège acteurs émergents,
Vous allez retrouver les acteurs de la donnée de santé, qui est un sujet au centre des réflexions aujourd'hui, hein, avec le Covid-19 et le nombre de tableaux de bord qu'on peut voir aujourd'hui, mais aussi les acteurs des assurances, des banques, des mutuelles, qui ont un rôle à jouer sur ces nouvelles thérapies qui sont dites des thérapies transformatives, qui transforment la vie des patients. Oui, Pascal, on ne voit plus vos slides défiler, en fait. On est coincé sur les slides d'introduction. Est-ce que vous voyez là? Oui, un cercle de réflexion. Bon, voilà, excusez-moi, je vais rester comme ça du coup. Oui, bah là on voit. On va relancer. Est-ce que vous la voyez là? Là, on voit la diapo et puis on voit aussi sur le côté les diapos suivantes, mais ce n'est pas si gênant que ça. Il faut passer en mode lecture peut-être. Oui, mais c'est ce que j'ai fait, mais je suis passé en mode diaporama, donc, mais vous ne le voyez pas a priori. Non. Bon, je vais faire comme ça alors. Vous voyez comme ça? Oui, c'est okay. Bon. Donc, vous voyez, en fait, là, ici, la structure, désolé, du coup, petit problème, ça arrive en visio, des petits problèmes techniques. Donc, vous avez cette base, en fait, avec les cinq collèges. Chaque collège a un président et ce président siège à une structure qui s'appelle le comité stratégique auprès du président et du trésorier de l'association. Et chacun a une voix dans toutes les prises des décisions de l'Institut, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de fonctionnement neutre, où chacun a le même poids dans les décisions des thématiques qui vont être abordées par l'Institut et aussi une voix dans le texte qui va être émis à l'extérieur. Donc, qui nous soutient aujourd'hui? Aujourd'hui, on recense 14 membres bienfaiteurs, donc des personnes de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des trois associations de patients, des organismes de presse, la Société française de thérapie cellulaire et génique, des associations d'étudiants, et plus de 72 membres actifs. Et quand on parle de membres actifs, c'est des personnes dites physiques qui vont intervenir et participer aux travaux de l'Institut. Les travaux, quels sont-ils? Il y a 4 axes stratégiques qui ont été votés l'année dernière et qui, aujourd'hui, commencent à produire du contenu. Vous avez un premier axe sur l'éducation des partenaires. Donc, on est sur des nouvelles thérapies qui interviennent sur le génome, on est aussi sur des thérapies avec qui utilisent le matériel humain. Donc, il y a des besoins éducationnels du grand public, mais aussi des institutionnels, c'est-à-dire nos décideurs publics et aussi de l'écosystème des professionnels de santé. Donc, il y a un besoin d'éducation qui est fort. Donc, c'est un axe sur lequel travaille l'Institut, sur comment former toutes ces personnes à l'avènement de ces nouvelles thérapies. Un deuxième axe sur le financement et la mobilisation économique. Donc, on va travailler sur le financement de la recherche, évidemment, recherche fondamentale, comment trouver les nouveaux produits de demain, jusqu'à l'innovation et le parcours de soins. Et aujourd'hui, la Fédération et la Beta Thalassani est aujourd'hui impactée et impliquée dans l'avènement des thérapies géniques dites ex vivo. Un troisième axe sur la bioproduction, donc comment produire ces thérapies, répondre aux besoins des patients à court, moyen et long terme. Et puis le quatrième axe qui est un axe de l'éthique, qui est un sujet profondément sérieux, qui est en plein passage au Sénat en ce moment avec la loi de bioéthique. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se permet de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se permettra de faire demain avec l'avènement de ces nouvelles technologies. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour d'abord vous sensibiliser sur cet élément-là, mais aussi vous mettre en avant la place des associations de patients, mais aussi des patients eux-mêmes et des représentants de patients. En fait, vous avez un poids à jouer et de plus en plus fort dans les décisions publiques. Donc moi, je vous invite à rejoindre l'Institut, premièrement pour faire entendre votre voix. Vous êtes les premiers concernés par l'avènement de ces nouvelles thérapies, savoir pouvoir répondre à vos questions, mais aussi participer aux politiques publiques de demain, débattre sur les thématiques d'avenir. Hein. On a des groupes de travail extrêmement pointus et je vous invite à venir et à nous rejoindre pour ça. Et puis, s'inscrire dans une démarche commune. C'est vraiment une structure qui est dite singulière, qui n'a pas d'alter ego au niveau européen. Des structures qui réunissent industriels de santé, académiques, personnes de la société publique et patients, et même acteurs émergents, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, rien que pour ça, il faut nous rejoindre. Et vous avez deux façons de rejoindre l'Institut. Premièrement, en qualité de membre actif, en tant que personne. Et puis aussi, au travers de votre association. Et ben ça, SOS Globi a déjà franchi le pas en étant membre bienfaiteur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter directement.
Merci, docteur Pierre Pascal. J'ai l'honneur maintenant d'accueillir le professeur Mehdi Khelaf qui va nous parler de la prise en charge des adultes aux urgences. Bonjour, je règle juste. J'essaie de mettre mes diapos, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Je cherche mes diapos. Peut-être, Claire, si vous avez les diapos, vous les mettez. Je ne sais pas, où elles sont là. Bonjour, Julie. On va réessayer. Attendez voir, parce que je vois pas mes diapos. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, c'est bon? Bon, bah, très bien, bah, écoutez, je commence alors à ce moment-là. Donc, je suis effectivement professeur Mehdi Khelaf, je suis chef de service des urgences l'hôpital Henri Mondor, également du département d'aval des urgences. Et donc, je fais partie de l'unité des maladies génétiques du globule rouge sur le CHU Henri Mondor et de l'équipe INSERM U955, équipe 2. Voilà, donc nous on est basé à Créteil. Créteil, c'est à côté de Paris, vous voyez, c'est pas très loin. On est donc centre de référence nationale français de la drépanocytose et on compte aujourd'hui une file active de patients de 3500 patients, qui est donc la plus grosse cohorte française, voire européenne, de patients drépanocytaires. Les urgences se trouvent ici. L'hôpital fait 950 lits et on a ici le bâtiment de recherche drépanocytaire, vous voyez, qui n'est pas très loin des urgences et de l'hôpital. On a fêté les 50 ans de Mondor en 2019. Vous voyez, un très beau bâtiment d'architecture fantastique, mais quand même qui est fonctionnel parce que l'avantage, c'est qu'on est vertical. Les urgences, c'est 56 000 patients par an, 13 000 hospitalisations. 140 personnes, une bonne ambiance, comme vous pouvez le voir. La drépanocytose, vous le savez comme moi, maladie héréditaire d'hémoglobine, qui touche la structure même de l'hémoglobine, induisant une falciformation. C'est la première maladie génétique en France, parmi les maladies dépistées à la naissance. En Ile-de-France, le taux d'incidence est de 1 sur 784 naissances, avec des disparités, puisque les dom-toms sont 1 sur 567, alors que dans Languedoc-Roussillon, le sud-est de la France, où il n'y a qu'une naissance sur 30. La drépanocytose, donc c'est la première maladie génétique. On estime qu'il y a à peu près 20 000 patients en 2020, peut-être plus. Difficile exactement de savoir, et comme je vous disais, 3500 patients sont suivis à Mondor, ce qui induit 1200 passages par an aux urgences, ce qui est loin d'être négligeable. Ça représente quand même 10% de l'ensemble de nos hospitalisations, avec un impact certain sur l'aval au niveau des services de médecine. Sur l'Île-de-France, c'est 60% des patients qu'on estime à peu près, l'autre région étant la région PACA essentiellement. Donc sur les passages aux urgences, vous voyez qu'on est en augmentation chaque année. J'aurais pu continuer. Donc globalement, chaque année, c'est 10% de plus. Nos patients viennent essentiellement du 94, mais également du 93. Et vous voyez, ça, c'est le nombre de passages par jour. On a entre 4 patients jusqu'à 10 patients par jour. Et donc, comme je vous disais, avec des difficultés d'aval qui sont certaines. Et un point qui est très particulier à la cohorte drépanocytaire aux urgences, c'est que certains patients sont des très fréquents users, puisque vous voyez que 25 patients à eux seuls représentent 25% des passages, avec des patients qui cumulent jusqu'à 50 passages par an aux urgences, donc quasiment une fois par semaine.
Donc la drépanocytose, c'est deux grandes catégories de pathologies, la crise vaso-occlusive et puis de plus en plus, grâce heureusement à la meilleure prise en charge, des pathologies chroniques qui apparaissent, qui n'existaient pas il y a encore quelques années, étant donné l'espérance de vie qui était relativement basse encore il y a 20 ans. Donc la crise vaso-occlusive, je vais vous en parler après. On parlera également du syndrome thoracique aigu et je pense qu'on n'aura pas le temps de parler du reste, mais peut-être que c'est abordé ailleurs dans ce workshop. Les complications chroniques, comme je vous le disais, c'est l'apanage en fait de la rançon du succès, parce qu'en 2019, vous voyez que notre cohorte, elle avait plutôt 18 ans de nos 3500 patients. En 2011, elle est passée à 33 ans et maintenant, notre cohorte est beaucoup plus âgée puisque les patients ont en moyenne d'âge 38 ans. Les complications, elles sont représentées ici dans un article de Cato dans Nature et vous voyez que tous les organes sont touchés. Ça va de la rétinopathie à l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'insuffisance cardiaque, de l'hépatopathie, de l'insuffisance rénale, de l'ostéonécrose. Et puis également les problèmes d'ulcères, des ulcères cutanés, des complications liées à la grossesse. Les facteurs déclencheurs de crise vaso-occlusive, ils sont relativement bien connus maintenant. Il y a évidemment la déshydratation. Hein, la période actuelle est assez propice malheureusement aux crises vaso-occlusives, hein, avec donc un risque de falciformation induit par la déshydratation. L'hypoxie, donc l'hypoxie est un facteur classique, il y a notamment les vols aériens où à 10 000 mètres d'altitude, on est à l'équivalent de 3 000 mètres sur le plancher des vaches, donc avec une hypoxie qui peut être déclencheur de crise vaso-occlusive. L'acidose, l'infection, le stress et toute forme d'inflammation. On a aussi montré en 2014, dans cet article publié avec les réanimateurs de Mondor, que la météo avait un impact sur les crises vaso-occlusives, avec notamment les changements de température. Donc, vous voyez ici que quand on a des deltas de température d'un jour à l'autre de 15 degrés, donc si vous passez de 20 degrés à 5 degrés en quelques 24-48 heures, vous avez un risque accru de crise vaso-occlusive de 4, donc 4 fois plus de risque de crise vaso-occlusive. Il a été montré aussi que la vitesse du vent pouvait induire plus de crises. Et pour ce qui est de la pollution, on a un effet paradoxal plutôt protecteur du monoxyde d'azote et de l'ozone. Par contre, un effet plutôt aggravant du risque de crise avec les microparticules. Les microparticules, c'est le diesel notamment. Alors, la crise vaso-occlusive est définie en fait par la survenue d'une douleur intense au niveau des os. Alors la physiopathologie, elle est relativement simple à comprendre, même si les phénomènes à la base sont complexes. Il s'agit en fait d'un blocage des globules rouges et des globules blancs au niveau des capillaires qui vont induire notamment des infarctus osseux que vous pouvez voir ici, qui vont être donc pourvoyeurs de douleurs qui sont très intenses, beaucoup plus intenses d'après même les patients drépanocytaires que des fractures osseuses. Nous, on a vu déjà des patients avoir des fractures bimalléolaires qui sont réputées très douloureuses chez les patients drépanocytaires qui considéraient que cette douleur-là n'était pas significative par rapport à leur douleur vaso-occlusive. Alors, quand vous avez une crise vaso-occlusive, donc il y a des douleurs osseuses qui vont toucher essentiellement les os longs, il peut y avoir un peu de fièvre, 38-38,5, sans qu'il y ait forcément d'infection. On a biologiquement une hyperleucocytose, la CRP est malheureusement pas très utile parce que souvent augmentée dans la crise vaso-occlusive et on regarde classiquement les LDH ainsi que l'hémoglobine de base pour voir si le patient est en hyperhémolyse ou pas. Alors le traitement de la crise vaso-occlusive, donc ça c'est l'apanage des urgences. Comme vous l'avez compris, il s'agit de traiter des douleurs qui sont très intenses, supérieures à des fractures. Donc il est clair qu'on ne va pas rester sur des paliers 1 type paracétamol ou même des paliers 2, il faut passer à des paliers 3 immédiatement. Alors la philosophie du traitement par morphine, c'est de taper vite et fort. Et donc de commencer par un bolus initial de 0,1 mg kilo. Donc si vous avez un patient qui fait 70 kg, ça fait un premier bolus de 7 mg, puis de continuer avec des bolus d'entretien de 2 à 3 mg sous forme d'une PCA. Donc la PCA, c'est patient contrôlé d'analgésia, c'est une petite cassette que le patient actionne lui-même avec une poire pour permettre de continuer l'analgésie. Alors ce schéma, j'aime bien le montrer parce que ça explique bien la philosophie du bolus et de la titration.
Si vous avez un patient drépanocytaire qui arrive, il est douloureux, il est là. Il est tout en bas, là, ici, de l'échelle. Et donc, il va falloir l'emmener très rapidement dans sa zone de confort d'analgésie qui se trouve ici. Alors, évidemment, si on lui fait des petits bolus, on va rester dans cette zone d'inefficacité de la douleur. Donc, l'idée, c'est de frapper fort au début. Donc, comme je vous ai dit, un premier bolus relativement important, puis après des bolus faits par les infirmières pour arriver dans la zone de confiance. Et ensuite, le patient pourra s'auto-entretenir son analgésie avec des déclenchements de bolus par sa PCA. Donc, la PCA, ça ressemble à ça. Donc, je vous ai dit, un patient contrôlé d'analgésia, analgésie contrôlée par le patient. Donc, c'est sous forme de cassettes qui sont sécurisées parce que malheureusement, on a eu pas mal de problèmes de mésusage de morphine chez des patients drépanocytaires avec des vraies overdoses. Donc, tout ça est sécurisé. Il y a aussi un code pour accéder au programme. Et donc ça, c'est la poire qui permet d'injecter la morphine en auto-injection. Alors, il faut, au niveau des infirmières, bien spécifier qu'il faut des valves anti-reflux, sur les circuits de morphine, parce que le risque, c'est que si c'est bouché au niveau de la perfusion, on peut avoir une accumulation de morphine en amont, et si malheureusement, au moment que c'est débouché, tout ça part chez le patient, on pouvait avoir un risque d'injection de grosses doses de morphine avec un risque d'overdose. Donc voilà, ça c'est le schéma classique de la morphine chez nous. Dans la plupart des services d'urgence, c'est pareil. Donc, titration de la morphine, je vous ai expliqué, hein, les bolus qui permettent d'arriver très vite à un palier de confort, et puis ensuite, l'auto-entretien par la PCA, avec des doses quand même, des périodes réfractaires pour pas que le patient puisse injecter des doses qui seraient délétères. On a arrêté les doses continues de morphine parce que malheureusement, ça s'accumule et à un moment donné, on peut faire un arrêt respiratoire. Par contre, ce qui est donc spécifié, c'est que si le patient a à nouveau mal malgré ce schéma-là, il faut retitrer le patient parce que vous l'avez compris, il faudra le ramener dans sa zone de confort. Attention à l'insuffisant rénal, la morphine est dangereuse, il y a un risque d'accumulation d'arrêt respiratoire. Donc, chez les patients insuffisants rénal, on préconise le fentanyl, même si c'est un médicament qui n'est pas facile à manier en salle et aux urgences. Alors, en plus de ce traitement, vous l'avez compris, qui doit être à la hauteur de la douleur, on va traiter tous les facteurs déclenchants dont on a parlé tout à l'heure pour essayer de réverser tout ce qui peut falciformer le globule rouge. Donc, on va hydrater les patients. Donc, en général, nous, on fait du sérum physiologique. On va ajouter du paracétamol systématiquement parce que ça va diminuer la nécessité de doses de morphine. L'acupant ou le néphopam, ça c'est en fonction des patients, parce qu'il y a des patients qui aiment bien, il y a des patients qui n'aiment pas. Il y a un risque d'induction d'épilepsie, donc faites attention dans les antécédents d'épilepsie. On va essayer d'alcaliniser un petit peu le pH sanguin en prenant de la Vichy. L'oxygénothérapie, alors c'est systématique, mais finalement on n'a aucune étude précise sur le fait de mettre de l'oxygène chez les patients drépanocytaires qui ont une saturation normale. Donc ça c'est un projet qu'on a avec le professeur Harley à Pompidou. On mettra des folates pour la régénération et on va traiter l'anxiété de façon plus ou moins systématique parce qu'évidemment avoir mal ça induit l'anxiété. Alors pour ce qui est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, malheureusement, ça ne marche pas. On l'avait démontré en 2009 sur une étude placebo contre AINS. Vous voyez 33 patients dans chaque groupe. Et malheureusement, pas d'influence sur l'AINS sur le placebo, sur les doses de morphine, et pas non plus d'efficacité sur le VA. Donc, clairement, on a abandonné la stratégie de mettre des anti-inflammatoires. La seule indication, c'est des douleurs sur un membre persistante au bout de 48 heures où il peut y avoir une efficacité, mais globalement, on préfère ne plus utiliser les AINS, d'autant plus qu'il y a une toxicité rénale qui n'est pas anodine, d'autant plus que les patients ont, avec l'âge, beaucoup plus de chances d'avoir une néphropathie sous-jacente. Alors, le syndrome thoracique aigu, donc c'est ça qui nous inquiète dans la crise vaso-occlusive. Qu'est-ce que c'est que le syndrome thoracique aigu? C'est quelque chose qui ressemble à une pneumopathie avec une douleur thoracique, un patient qui est essoufflé, qui a de la fièvre. Alors, qui dit pneumopathie, on pense à une infection, mais finalement, en fait, c'est très peu fréquent d'avoir une infection, notamment chez l'adulte. Hein, c'est beaucoup plus fréquent chez l'enfant. Alors, pourquoi on a ce tableau-là? Alors, c'est pas si simple à expliquer, mais globalement, il y a plusieurs phénomènes physiopathologiques qui peuvent s'associer.
Il y a une hypoventilation associée notamment à l'infarctus osseux qui va faire que le patient va moins bien respirer sous le poumon, au niveau du poumon qui est sous l'os. On peut avoir de l'embolie pulmonaire dans 17% des cas. Ça, c'est une étude qu'on avait faite avec les réanimateurs avec des angioscanners systématiques dans les centres thoraciques aigus. Et on trouve chez un patient sur 6 une embolie pulmonaire. On peut avoir l'embolie graisseuse et on peut avoir de la vasoocclusion in situ. Vous voyez, c'est assez complexe le syndrome thoracique aigu. On ne sait pas toujours qui fait quoi. Donc, il va falloir prendre en charge un petit peu tout ça et puis discuter du traitement un peu au cas par cas en fonction des patients. Donc, comme je vous disais, ça ressemble vraiment à un tableau infectieux d'infection respiratoire. On a une douleur thoracique, on a des anomalies auscultatoires pulmonaires, on a des anomalies radiologiques pulmonaires qui sont en général prédominant aux bases et bilatérales. Donc, ce n'est pas tout à fait la pneumopathie à pneumocoque, hein, ça ressemble plutôt à une pneumopathie atypique. Si vous faites la biologie, vous allez avoir une hyperleucocytose et une CRP augmentée, mais je vous ai dit, la CRP, malheureusement, dans la crise vaso-occlusive, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, à l'examen clinique, on a des crépitants, on peut avoir une abolition de nerf vasiculaire. Alors, nous, on reste quand même sur l'idée de faire de l'amoxicilline systématiquement dans les syndromes thoraciques aigus parce qu'on reste sur le dogme patient asthénique. Donc, il faut traiter le risque de pneumocoque. Mais globalement, si vous faites des lavages bronchoalvéolaires dans les syndromes thoraciques aigus, vous trouvez très rarement un germe. Donc, le syndrome thoracique aigu, c'est un peu notre hantise. Hein. C'est pour ça qu'on dit aux plus jeunes que tout patient drépanocytaire doit être ausculté tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ça peut aller très vite, hein. Vous voyez cette radiothorax en haut à gauche, le premier jour, et vous voyez, le deuxième jour, ça va très vite. Hein. Sur un scanner, le premier jour, on est relativement serein, le deuxième jour, on est beaucoup plus inquiet, donc c'est des pathologies qui peuvent vraiment s'aggraver très, très rapidement. Alors, les signes de gravité devant un syndrome thoracique aigu, bah c'est un peu comme dans tout syndrome respiratoire. Hein. C'est un patient qui respire vite ou au contraire très lentement, qui a des troubles de la conscience, qui respire superficiellement, qui s'épuise, qui a une gazométrie qui montre une hypoxémie, un pH acide dans ces cas-là. Donc, c'est des critères de gravité qui doivent faire transférer le patient dans une unité de soins intensifs et faire discuter de l'échange transfusionnel. Alors, il y a ce dispositif qui est de plus en plus utilisé dans les services d'urgence et dans les services d'aval qui prennent en charge les patients drépanocytaires. Ça s'appelle le RespiFlow. Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'autokinésithérapie. Et donc, en fait, le but du jeu, ce n'est pas de souffler, mais c'est plutôt d'aspirer. Et ça va induire en fait un déploiement des alvéoles qui vont ne plus se collaber et en théorie ça améliore le risque de syndrome thoracique aigu au cours de la crise vaso-occlusive. Alors vous voyez, c'est un petit peu vieux comme étude, hein, ça date de 1995 en New England, 38 patients. Je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas avoir une telle étude en New England avec seulement 38 patients. 19 patients dans chaque bras, un bras où il y a une spirométrie, un bras où il n'y a pas de spirométrie. Donc, c'est des patients qui, au départ, n'ont pas de syndrome thoracique aigu. Et on regarde ce qui se passe à la fin. Ben, un patient dans le groupe spirométrie a un syndrome thoracique aigu contre 8 patients dans le groupe non spirométrie. Donc, on reste sur le dogme qu'il faut utiliser ce dispositif systématiquement dans toute crise vaso-occlusive. Et vous voyez, normalement, c'est 10 inspirations toutes les 2 heures, entre 8h et 22h. Après, on a le droit de dormir quand même. Ça, c'est une étude qu'on a menée et qui a abouti à un score qui s'appelle le score PRESEV, qui est quelque chose dont on est très fier et qui semble vraiment très intéressant dans le futur de la prise en charge des patients drépanocytaires. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une étude qui nous a permis de montrer qu'on pouvait trouver des facteurs prédictifs dès le premier jour d'une crise vaso-occlusive en faveur d'un syndrome thoracique aigu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un syndrome thoracique aigu, ça n'apparaît pas tout de suite, hein, ça apparaît en moyenne au bout de 4 jours après une crise vaso-occlusive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 75 patients qui avaient une crise vaso-occlusive. Parmi eux, il y en a 16 qui ont fait un syndrome thoracique aigu, ce qui vous donne la prévalence du syndrome thoracique aigu dans la crise vaso-occlusive qui est 20%. Donc ça, c'est la constante qui est dans toute la littérature. Et ensuite, on a essayé de regarder s'il y avait des facteurs différenciant les gens qui ont fait un syndrome thoracique aigu versus ceux qui n'ont pas fait un syndrome thoracique aigu. Et après, une analyse multivariée, on a pu dégager un score.
un score qui, au départ, nous a un petit peu surpris parce que finalement, il n'y avait pas les LDH, qui était un peu notre Madeleine là, de Proust qu'on regardait tout le temps, mais finalement, les LDH ne sortaient pas. Et en fait, ce qui est sorti très fort, c'est les douleurs du rachis lombaire. Vous voyez, c'est 6 points, donc c'est très cher en termes de risque prédictif d'un syndrome thoracique aigu, et les réticulocytes. Donc ça, c'est les deux paramètres qui sortent le plus fort. Ensuite, on a les globules blancs et l'hémoglobine. Alors, notre score, il est très bon en valeur prédictive négative, c'est-à-dire que si vous avez un score inférieur à 5, donc parmi tout ça, quand vous faites la somme, vous avez moins de 5, vous avez 99% de chances de ne pas faire de syndrome thoracique aigu. Alors, au niveau de la valeur prédictive positive, on est un peu moins bon parce que vous voyez, on est à 44%. Bon, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est ces patients qui vont avoir des scores bas. Et vous verrez après ce qu'on fait actuellement avec ce score. Alors, les échanges transfusionnels, on en a parlé un petit peu dans le syndrome thoracique aigu. Quelles sont les autres indications? L'AVC, le priapisme aigu, et puis les défaillances mono ou multiviscérales, notamment les infections sévères. Alors, comment on fait un échange transfusionnel? Le principe, c'est de faire une saignée et puis ensuite de transfuser. Évidemment, la saignée, on ne va pas la faire à n'importe quel prix, hein, parce que si vous avez moins de 7 grammes d'hémoglobine, on ne va pas saigner les jambes, parce que sinon, on se retrouvait trop bas en termes d'anémie. Et ensuite, la transfusion se fait aussi en fonction de l'hémoglobine de base. En général, c'est 2 kg. Ça peut être un peu plus si le patient est très anémique. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est des saignées. Les saignées sont systématiques chez nous, chez les patients drépanocytaires qui soient SS ou SC supérieurs à 11 grammes par décilitre. Alors, c'est des recommandations un peu locales, c'est écrit dans le PNDS, ça ne repose pas forcément sur des études très scientifiques, mais on a constaté quand même une vraie efficacité clinique. Alors sinon, voilà, un petit peu de pub pour l'étude perfide du professeur Harley. Donc, on essaye de travailler ensemble là, pour essayer d'améliorer l'accès veineux des patients drépanocytaires qui est difficile. Donc, on a ce petit système là qui a l'air assez intéressant, qui permet de mettre en relief visuellement les réseaux veineux et d'améliorer la qualité de la perfusion. Donc, ça s'appelle le système AQVEN. Donc, voilà la saignée, comment ça se passe. Hein. Un dispositif de perfusion dans une bonne veine de bon calibre, ce qui n'est pas toujours facile, et ensuite on met sous vide et ensuite on fait une transfusion. Donc ça, c'était un peu le système archaïque qu'on faisait aux urgences. J'avoue que maintenant, on fait quand même très peu d'échanges transfusionnels aux urgences, ça se fait en aphérèse, de façon beaucoup plus précise, avec une entrée et les sorties qui sont bien compensées. Donc oui, les saignées, ce que je vous disais, hein, systématique chez nous pour des taux d'hémoglobine supérieurs à 11 grammes par décilitre, et ça concerne tous les patients drépanocytaires potentiels. Voilà, alors pour ce qui est des traitements de fond, bah, vous connaissez bien l'hydroxyurée, vous connaissez bien le cyclos, et puis ce qui a l'air tout à fait intéressant, là, qui a fait l'objet d'un New England, c'est le crizanlizumab. Qui est donc un inhibiteur, un anticorps monoclonal anti-P-sélectine. Alors, je ne sais pas si vous rappelez le schéma où il y avait les globules rouges, les globules blancs là, qui bouchaient les capillaires. En fait, l'action, elle est sur les globules blancs. L'idée, c'est d'améliorer le rolling, en fait, la capacité des globules blancs à se déplacer dans le capillaire sanguin pour diminuer la vasoocclusion. Donc, c'est un traitement préventif des crises vasoocclusives. Et vous voyez dans cette étude là, qui est parue en 2017 dans New England, avec une perfusion par mois chez 198 patients répartis en 3 groupes, on avait 45% de crise en moins par an. Donc c'est certainement un traitement qui paraît tout à fait prometteur, puisqu'en plus, vous voyez, au niveau des effets secondaires, 10% des patients ont des arthralgies, un syndrome grippal, mais sinon pas grand-chose de très significatif. Voilà, donc je vais conclure sur donc, les messages clés. Donc la crise vaso-occlusive. La douleur, la fièvre, on reste sur le dogme de l'amoxicilline. Le syndrome thoracique, hein, vous avez vu, le score PRESEV, hein, qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors là, je n'ai pas eu le temps de vous le développer, mais en fait, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une stratégie de sortie des patients très rapidement depuis les urgences, ce qu'on appelle le système DREPADOM. Peut-être que le professeur Bartolucci vous en parlera cet après-midi. Qu'est-ce que c'est? C'est que pour les patients qui ont un score bas, donc je vous ai parlé inférieur à 5, eh bien, on essaie de les faire sortir des urgences immédiatement avec un traitement à domicile à base de morphine orale
une perfusion qui permet de les hydrater et un monitoring tout à fait élaboré, à la fois par les infirmières qui se déplacent et par une astreinte 24 heures sur 24 téléphonique auprès d'un médecin qui est basé dans le centre de Créteil. Voilà, donc si vous voulez retrouver la partie crise vaso-occlusive aux urgences, il y a cet article de ma part de 2015 qui est publié dans Urgence. Voilà, sinon vous avez le PNDS qui est la référence, le protocole national de diagnostic et de soins qui a été écrit en janvier 2010 en collaboration avec le centre de référence et les centres de compétences de la drépanocytose. Voilà, j'en resterai là. Si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard, mais en tout cas, moi, je suis disposé à vous répondre. Merci beaucoup, professeur Kilaf, pour cette présentation très complète. Donc, on répondra aux questions en fait en fin de matinée. Donc, on vous rejoindra à 12h45 pour les questions. Il y en a pas mal sur le chat. Et on va enchaîner avec la table ronde patients qui va être animée par le docteur Rondeau Lutz, qui travaille dans un service de médecine interne à Strasbourg avec deux collègues dans un centre de compétences des maladies du globule rouge. Et elle va vous présenter le projet Balance ta crise, qui a été mené à l'initiative de la Fédération, avec des témoignages de patients sur justement leur crise vaso-occlusive. Je vous laisse la parole, Madame Rondolix. Alors, excuse-moi, je vous coupe, on n'a pas de son en fait, on ne vous entend pas, on vous voit à l'écran. Vous m'entendez là ? Non ? Ouais, super. Ah, bon, d'accord, alors je me suis trompée dans les micros. Ok, donc je reprends, donc je voulais remercier l'association SOS Globi de m'avoir invité à animer cette table ronde. C'est vrai parce que je trouve toujours intéressant de discuter avec les patients de leur vécu à l'hôpital, notamment dans l'unité d'hospitalisation. Moi, je suis dans un service de médecine interne. Et je voulais remercier en particulier David Malika, qui est le président de l'association SOS Globi Grand Est, qui m'a sollicité pour cette intervention. Voilà, donc je me suis dit, le mieux c'est peut-être de tout de suite passer, je demanderai aux membres de SOS Globi qui participent à la table ronde de se présenter après, et je voulais juste passer à la diapositive suivante. Pour présenter un petit peu ce que je sais, donc la diapo d'encore après, s'il vous plaît, présenter un petit peu ce que je sais de cette action de SOS Globi qui s'appelle Balance ta crise, donc qui est en fait un recueil sur Facebook de témoignages de patients qui sont passés en milieu hospitalier. Et en général des témoignages où ça s'est pas trop bien passé. Donc on m'a transmis quelques-uns de ces témoignages et donc il y en aura donc les membres de l'association qui vont parler ensuite en reprendront chacun une, le liront, voilà, avant de elles-mêmes raconter ce qu'elles ont à dire sur leur prise en charge aux urgences. Voilà, donc bon, j'ai retenu que c'est un SOS lancé au corps médical pour que cesse la remise en cause perpétuelle de la parole des malades, entendez-les. Alors c'est vrai que, comme disait le professeur Kietaf juste avant, cette maladie est très très douloureuse, hein, c'est vraiment une sorte de malédiction, et la malédiction se rajoute au fait que c'est effectivement on ne voit rien, nous, quand on est médecin. Donc quand on voit une jambe cassée en deux, bon là on se dit effectivement il doit avoir mal, mais lorsqu'il y a une crise vaso-occlusive, il y a parfois des petites choses à voir, mais il y a rarement quelque chose qui renforce la sensation, ce que vit le patient, et qui renforce l'impression de douleur que peut avoir le médecin. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se rajoute à ça? C'est le fait que c'est une maladie mal connue. Alors, elle fait partie de ces filières des maladies rares, mais il y a quand même environ 500 naissances en France. Et donc,
la prévalence, avoir des chiffres du nombre de patients drépanocytaires qui vivent en France, c'est un peu difficile. Le professeur Kétab disait environ 20 000 patients. J'ai vu effectivement quelque chose comme 26 000 patients en 2018. Donc, ce n'est pas si rare que ça quand même. Voilà, mais c'est vrai que c'est… peut-être qu'il y a on va le voir, peut-être un défaut de formation, un défaut de connaissance. Bon, et puis, tout ça qui se rajoute avec les difficultés des urgences… avec énormément de patients à prendre en charge en même temps, mais bon, on va en reparler après. Voilà, donc du coup, ben, je propose de tout de suite donner la parole aux autres membres de cette table ronde. Et donc, en premier, si je ne me trompe pas, donc c'est Dani Garcia qui prend la parole. Je la laisse se présenter elle-même et puis on l'écoute. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis Dani Garcia, je suis maman d'un adolescent maintenant drépanocytaire SC, Eddie, qui a 14 ans, et je suis aussi trésorière adjointe de l'association SOS Globi Occitanie depuis 2018, je suis dans l'association, voilà. Et donc aujourd'hui, ben, je vais participer pour témoigner de la prise en charge aux urgences. Est-ce qu'on lit le texte « Balance ta crise » maintenant ou chacun se présente, je ne sais plus. Non, moi, je pense que vous pouvez lire tout de suite le texte. Et puis, comme ça, voilà, donc j'ai choisi un texte dans les posts « Balance ta crise ». Alors, hier, en début de crise, j'ai été admis au CHU sud-francilien. À chaque fois, c'est des mésaventures. Là encore, une fois de plus, j'ai été abandonnée par le service d'urgence juste après la prise de sang et la pose de la perfusion. À chaque fois que je demandais de l'aide et que je demandais à voir un médecin, on m'envoyait balader. Et le plus choquant dans tout ça, c'est qu'on vous parle mal. L'infirmière m'a dit « Vous n'êtes pas le seul patient de l'hôpital. Je n'ai pas que ça à faire. » Et s'en suivit un nouvel abandon. Au bout de 4 heures, l'infirmière vient s'occuper d'un autre patient près de moi. Et je lui dis que c'est pas normal, que personne ne s'occupe de moi depuis. Et elle me répond, la drépanocytose, c'est rien comparé aux autres maladies. Bref, finalement, j'ai décidé de quitter le service parce que personne ne s'occupait de moi et que j'avais très mal. Ok, merci beaucoup Dani. Alors, on va peut-être enchaîner sur un autre témoignage donc, et puis après, vous raconterez vous-même votre expérience. Donc maintenant, je donne la parole à Oumal Kera Boubacar Mamou qui va lire un autre témoignage. Voilà, on vous écoute. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Boubacar Mamou Oumal Kera. J'ai 26 ans, j'habite à Toulouse et je suis drépanocytaire homozygote. Le témoignage que j'ai choisi de lire s'intitule « Ignoré de tous ». Les faits ont eu lieu au CHU de Toulouse à Rangueil et ils ont eu lieu en janvier 2018. J'ai été admise aux urgences pour une crise au niveau du thorax. Les premiers examens ont été faits rapidement. Radio, ECG, prise de sang. Mais le premier antidouleur, paracétamol, n'est arrivé qu'au bout de 2 heures. J'ai attendu 4 à 5 heures dans un brancard situé dans le hall des urgences avec d'autres patients en pleine épidémie de grippe avant d'aller au box où j'ai reçu du méopa et de l'acupan. J'ai ensuite été transférée dans le service d'hospitalisation de courte durée pour être transfusée. Je n'ai reçu de la morphine que dans la nuit en insistant. Je n'ai vu un médecin que le lendemain qui insistait pour me mettre dehors car selon lui, tout allait bien et que je pouvais soi-disant supporter la douleur chez moi. J'y suis restée 3 à 4 jours en insistant sur le fait que je n'allais pas sortir car tous les jours ils voulaient me voir partir. Ils ont fait l'impasse sur l'oxygène et la morphine et ne voulaient pas me transférer. Une fois arrivée dans le service, il s'est avéré que j'avais un syndrome thoracique aigu, mon intuition de départ. Merci beaucoup, Oumal Kera. Donc, je passe maintenant la parole à Fanny Makwele. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Pour vous présenter et pour lire le troisième témoignage.
Ok, bonjour à tous, je suis Fanny Makwela, j'ai 35 ans, je suis Drépano, SS, donc moi j'habite à Poissy, et dans 78, hein, région parisienne, et du coup bah, je suis suivie à l'hôpital de Poissy, et en fait j'ai choisi un témoignage d'un patient qui était admise à l'hôpital de Poissy aux urgences, donc je vais vous le lire tout de suite. Alors, c'est encore madame qui nous fait des caprices. C'était un soir où je ne me sentais pas très bien. J'ai commencé à avoir des douleurs aux jambes et au dos. À mon arrivée aux urgences, j'ai dû attendre 30 minutes pour qu'une infirmière vienne me voir. Elle me demande la localisation de la douleur et à combien j'évalue celle-ci. Je lui dis 7 car je ne voulais pas trop en faire, sachant qu'en réalité, je voulais crier 10. J'étais en pleurs et je me tordais de douleur. Elle s'en va, je l'attends parler de moi avec ses collègues. C'est encore madame qui nous fait des caprices. Je me suis dit, soit je pars et ça part en vrille, soit je me concentre sur ma douleur pour avoir moins mal. Elle revient une heure après et propose un dafalgan codéiné. Je lui explique que j'ai déjà pris de... On ne vous entend plus, Fanny. Alors, on n'entend plus Fanny. Alors, je vais voir si j'arrive à retrouver la suite du texte. Je l'ai quelque part. Voilà. Hop. Allô? Alors, donc, c'était le témoignage 4. Voilà. Non, ce n'était pas le témoignage 4. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, vous êtes revenu. Voilà, super. On vous écoute. Bon, bah, du coup, je ne sais plus où j'en étais. est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Bon, je ne sais plus du tout où j'en étais. Bon, reprenez au milieu à peu près, je pense, du témoignage. Bon, je vais reprendre madame qui nous fait des caprices. Je me suis dit, soit je pars et ça part en vrille. Soit je me concentre sur ma douleur pour avoir moins mal. Elle revient une heure après et me propose un dafalgan codéiné. Je lui explique que j'ai déjà pris de la maline et un acupant chez moi et qu'un simple dafalgan ne peut pas me soulager. Elle me répond, de toute façon, à chaque fois qu'il fait froid, je vous retrouve ici. Il s'agirait de prendre conscience de la maladie et de sortir couverte. Au bout d'une heure, un médecin vient m'ausculter. Il constate que j'ai du mal à respirer et me demande si l'infirmière a essayé de me perfuser pour me soulager. Je lui réponds que non et qu'elle ne m'a pas. Ah, on n'entend à nouveau plus Fanny. Donc, je lui réponds que non et qu'elle ne m'a proposé que du dafalgan. Lui-même est resté choqué. Elle s'est pris un savon et j'ai enfin eu une prise en charge. Tout ça en l'espace de 4 heures. Fanny, vous êtes de retour? Bah oui, mais moi je vous entends très bien, c'est bizarre. Voilà, alors je vous laisse continuer. Alors vous en étiez où? Tout ça en l'espace de 4 heures. J'ai fini avec un syndrome thoracique qui m'a amenée en réanimation. Tout ça pour vous dire que les urgences ne sont pas du tout adaptées pour prendre en charge un drépanocytaire. Il se moque de notre maladie et de notre souffrance. Notre souffrance est bel et bien réelle. Sous prétexte qu'ils ont fait des études, ils pensent qu'ils savent évaluer la douleur mieux que nous. Voilà. Ok, très bien. Bon, eh ben, merci à vous trois. Alors, je sais pas, je me disais peut-être, avant de vous laisser parler, bon, sinon on reviendra, mais c'est vrai que... c'est des histoires qui sont assez tristes. Hein. Enfin voilà, c'est quand on est médecin et qu'on en sait là, quand on entend ça, bon, on se sent un peu remis en question et puis aussi attristé par ces paroles maladroites et anxiogènes qui témoignent de méconnaissance de la maladie. Et je me dis maintenant, comme on avait convenu, vous-même, vous vouliez raconter votre expérience, donc. Je ne sais pas laquelle de vous trois veut commencer. Racontez votre expérience et puis peut-être faire des propositions aussi. Je crois que c'était ça l'idée. Voilà.
Moi, je veux bien commencer, si vous voulez. Donc, mon fils est pris en charge. Bon, le centre de référence, c'est Montpellier. Mais j'habite un village pas très loin d'une ville moyenne qui s'appelle Béziers. Et donc, l'hôpital est à 10 minutes de chez nous. Donc, pour la prise en charge depuis qu'il est tout petit. Donc, il va dans cet hôpital depuis 2009. Hein. C'est quand même bien plus rapide. Alors, je n'ai pas vraiment de mauvaises expériences dans cet hôpital, à part une vraiment où nous sommes restés sans soins pendant très longtemps, alors que nous avions passé déjà le hall d'attente des urgences. Nous étions dans le box. Et là, il ne se passait rien, il ne se passait rien. Mon enfant souffrait énormément. Donc, je me suis mis très en colère. Hein, et c'était récurrent d'une médecin. D'ailleurs, qui chaque fois, voilà. Donc, ce que je veux témoigner, c'est que selon les équipes qu'il y a, la prise en charge est différente. Dans l'ensemble, dans cet hôpital, elle n'est pas mauvaise, mais j'ai su m'imposer auprès des médecins dès le début, quand j'ai vu que certaines choses ne marchaient pas sur mon enfant et que la fois d'après, on recommençait en repartant avec les mêmes médicaments qui ne marchaient pas. Une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai exigé qu'on arrête ce médicament qui n'allait pas et qu'on le prenne en charge plus facilement. Après, il n'y a pas toujours le méopa disponible au moment où on le voudrait. Il y a, je dirais, qu'il y a un peu une méconnaissance de la maladie. Maintenant, dans ce service pédiatrique, je dirais que mon fils, il est quand même connu. Donc, on arrive à retomber sur du personnel qu'on connaît. Donc là, les prises en charge se font bien parce que le chef de service a toujours dit, il ne faut pas qu'il souffre, donc de suite on y met la morphine, mais le chef de service n'est pas toujours là et chacun veut un peu faire à sa sauce. Ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un suivi vraiment. Par exemple, si tout était dans l'ordinateur, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas trop les antécédents de mon enfant qui est là depuis des années et qu'on aille de suite voir qu'est-ce qu'on a mis, par quoi on a commencé, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement. Voilà, c'est surtout ça que je voudrais témoigner, quoi, que ça soit plus qu'il y ait un dossier patient qui reste, parce que ces patients-là, ils reviennent régulièrement, ce n'est pas une cheville cassée. La personne, vous ne la verrez plus. Là, dans n'importe quel hôpital, on a le dossier dans l'informatique de ce patient-là et voilà comment il faut le prendre en charge. Je crois que ça serait bien. Donc, je veux dire que dans cet hôpital, dès qu'il y a un problème, mon fils est de suite transféré sur Montpellier. C'est Montpellier qui prend le relais. Donc là, il est déjà admis dans un service. Il ne passe pas par les urgences. Et la prise en charge est quand même en pédiatrie relativement bonne. Je ne peux pas témoigner de la prise en charge adulte dans quelques années peut-être, mais de ce que je peux dire, c'est qu'au CHU de Montpellier, la prise en charge est bien faite au service pédiatrie aussi. Et sur Béziers, on peut quand même dialoguer avec les médecins. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec eux. Certains même me disent, au bout d'un moment, vous connaissez plus de choses sur la maladie de votre fils que nous. Mais au fil des années, ils font des progrès. Et puis, il y a les nouveaux. Alors, dans les nouveaux, dans les plus jeunes, eh ben, il y en a plein qui connaissent la maladie, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être mis un peu au parfum, et, comme je dirais. Et pour les infirmières, eh ben, c'est pareil. Et après, les personnes, on ne les refait pas. Il y a des personnes beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus empathiques et beaucoup plus attentionnées que d'autres. Voilà, j'en connais une ou deux avec qui ça ne se passe pas bien et plein d'autres où ça se passe très bien. Après, je vais dire quelque chose un peu… voilà, je vais dire qu'il peut y avoir aussi… je ne sais pas comment dire cette phrase-là, ça me blessait, mais bon… Il peut y avoir du racisme. Je pense qu'il y en a. Alors, dans mon cas, c'est vrai qu'il peut être parfois atténué parce que je suis une maman blanche. Mon fils est noir, donc il est adopté. Hein. Voilà. Et que peut-être ça fait la différence. Déjà, je suis une maman. Mon enfant est accompagné. Pour les adultes, c'est peut-être différent. Mais j'ai vu certaines choses par rapport à des infirmières ou quoi. Et des fois, je sens bien que certaines ont tiqué aussi.
Donc, je peux comprendre des fois qu'il y ait des choses qu'on dise, qu'on ne dirait pas, qu'on ne se permettrait pas de dire à d'autres personnes. Voilà. Très bien, bah oui, merci. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je m'interrogeais. Je me demandais si ça allait ressortir dans cette table ronde, les questions de discrimination, peut-être. Hein. On sait que. C'est ça. Ben voilà, que ça existe, hein, c'est clair, ça existe dans tous les domaines des services publics ou de toutes sortes de domaines, et notamment à l'hôpital. Hein, on sait, enfin, il y a des études hein, qui montrent qu'on ne soigne pas de la même façon tous les patients, en fonction de la distance sociale aussi, enfin le médecin apparemment passe plus de temps avec un cadre supérieur qu'avec un ouvrier ou un agriculteur. Bon, voilà, il y a des choses qui sont bonnes à savoir effectivement et à connaître pour pas se fourvoyer, et les discriminations, ça existe. Et c'est vrai que c'est peut-être, je sais pas si c'est quelque chose que travaille l'association SOS Globi, mais peut-être que ça explique une partie, et le racisme, ça existe, et peut-être que, et parmi les médecins, parmi les infirmières, c'est comme parmi tous les représentants de la population française, il y a des gens qui sont raciste et discriminant, donc on doit le reconnaître. Et puis, je ne sais pas après si l'association SOS Globi agit aussi dans cette direction. Je pense qu'on va peut-être essayer, ou chacun le fait à son niveau. Ok. Et puis, ouais, je retiens, qu'est-ce que je retiens? Oui, alors cette question, effectivement, de savoir mieux la maladie que les médecins ou que les infirmières. C'est vrai, c'est sûr, hein, à force, vous avez une expérience des urgences. Mais voilà, disons qu'on sait quand l'enfant a très très mal, quoi, on peut dire non mais là attendez, c'est pas un caprice, quoi, c'est pas juste j'ai mal pour venir à l'hôpital. Mon fils, il fait tout ce qu'il peut pour pas y aller à l'hôpital. Donc quand on est là-bas, c'est que vraiment là, c'est plus possible. Je pense que c'est pareil pour tous les patients. Oui, tout à fait. Et donc, oui, c'est vrai que comme c'est ce qu'on disait, une maladie quand même un peu rare ou pas bien connue d'un côté, et que de l'autre côté, vous avez des connaissances sur cette maladie que n'ont pas les médecins et les infirmières, pas forcément ou pas autant, c'est vrai que ça les, comment dire, ça les... En fait, c'est les ça connaissances... Sur... limite, et c'est un voilà. peu, c'est un surtout peu les connaissances au niveau de la douleur. Je pense que là, la douleur, c'est quelque chose que chaque personne a sa propre douleur, a sa propre supportabilité, je ne sais pas si ça se dit, tolérance. De douleur. Certaines endurent mieux que d'autres. Mmh. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça coince au niveau des infirmières, comme le témoignage qu'a lu... Fanny, faut aller chaque fois, elle a mal, elle a pas mal. J'ai lu d'autres témoignages que je n'ai pas choisi, ou allez, c'est bon, vous n'avez pas si mal que ça. Donc, et j'ai eu le cas d'infirmière pour mon fils, qui ont dit, bon, il dit, c'est bon, là, on t'a donné un médicament, là, tu ne dois plus avoir mal. Mais non, le médicament, il n'a pas fait passer la douleur. Il a encore très mal. Donc, voilà. Et ça, c'est des choses que... C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. Non, tu n'as plus mal parce qu'on vient de te donner un médicament. Non, et dans n'importe quelle autre maladie, et dans n'importe quelle autre blessure, malgré qu'on ait un pansement, un médicament, une pommade, la douleur peut être encore là. Et chacun la ressent à sa façon. Certaines personnes sont plus douloureuses que d'autres, on va dire. Donc, on ne minimise pas la douleur. Donc, de la formation sur la douleur, ça serait intéressant. Ouais. Après, qu'est-ce que je ne sais pas après si Fanny ou Malkéra veulent rebondir aussi, n'hésitez pas. Hein. Donc, ce que je disais par rapport par rapport à la difficulté qu'ont les urgences de retrouver ce qui a marché la fois d'avant pour soulager la douleur de votre fils. Alors, c'est vrai qu'on a des dossiers informatiques où il y a tout dedans, mais ils sont très, très touffus. Et pour retrouver la donnée qu'on cherche, c'est vraiment difficile. Mais bon, peut-être, c'est quelque chose, je crois, qu'avait proposé aussi David Malika, ça m'est arrivé de faire peut-être pour un ou deux patients ou en tout cas, qui avaient l'impression de ne pas être crus aux urgences, de faire des protocoles, enfin, un document, un certificat médical en disant, voilà,
chez cette patiente, ce qui fonctionne, ben, c'est ça. Elle veut pas de morphine, elle préfère avoir du tramadol. Bon, et si jamais elle change d'avis, elle a le droit de changer d'avis aussi. Mais et puis, c'est vrai que effectivement, on a toujours un peu peur du surdosage en morphine, mais parfois, on se rend compte, moi-même, je me rends compte aussi d'avoir commencé doucement et me rendre compte que la fois d'avant, on avait donné, par exemple, des bolus d'emblée de 4 mg de morphine et que c'était très bien supporté, qu'il n'y avait pas eu de surdosage et que c'était la dose qu'il fallait pour soulager la douleur. Donc, c'est vrai qu'il faudrait effectivement pouvoir dire ce qui a été efficace comme dose d'antalgique la dernière fois et puis avoir un certificat médical comme quoi si le patient vient aux urgences, comme ça a été dit aussi dans les témoignages, c'est pas la peine de redonner du paracétamol et d'attendre de voir si ça marche, puisque si les gens sont là, c'est que ça n'a pas marché. Voilà, ça. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, je sais pas. Fanny, vous vouliez dire quelque chose peut-être ? Oui, bah, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dani, parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai été admise à l'hôpital de Poissy et j'avais mal, mais j'essayais de pas trop pleurer, pas trop crier non plus, parce que moi, j'ai tendance souvent à hurler, donc je me contenais. Et en fait, je suis arrivée, j'ai été emmenée par les pompiers et ils étaient très sympas, on a bien discuté, ils ont essayé vraiment de tourner mon attention pour pas que je pense aux douleurs. Et ils sont restés jusqu'à ce que les infirmiers, enfin, arrivent, qui prennent le relais, en fait, dans le box. Et du coup, pour les remercier, j'ai pris mon téléphone portable pour pouvoir noter leur caserne, tout ça, et leur nom. Comme ça, je me dis, le jour où quand je sortirai de l'hôpital, j'irai les ramener une petite boîte de chocolat pour les remercier. En ce moment-là, en fait, l'infirmière est rentrée et m'a vue sur mon téléphone. Et donc, les pompiers sont partis. Du coup, moi, les douleurs sont commencées à monter crescendo. Je me suis mis à hurler. Et là, elle me dit, ça avait l'air d'aller tout à l'heure. Vous étiez sur votre téléphone. Donc, voilà, c'est souvent ces genres de réflexions qu'on a et j'essaie de lui expliquer quoi. Enfin, déjà je me suis énervée parce que c'est pas parce que j'ai mal que je ne peux pas prendre mon téléphone. Donc, et j'ai lui expliqué aussi la raison pour laquelle j'étais sur mon téléphone. Et voilà. Donc pour elle, c'était mensonge en fait. Donc j'étais sur mon téléphone, donc tout allait bien quoi. Et là, pourquoi je suis en train de hurler quand elle est venue? Elle m'a bien vue au téléphone. J'étais en train de taper mon message. Voilà. Or que j'étais en train de noter les noms du caserne de pompiers et les noms des pompiers qui étaient venus me chercher à la maison pour m'accompagner à l'hôpital, quoi. Donc voilà, c'est toujours ce genre de réflexion et quand on ne sait pas, on se tait aussi. Et puis même si on est sur notre téléphone, ça veut dire qu'on a pas mal en fait. On a toujours mal. Enfin, je ne sais pas ce que les soignants veulent qu'on fasse en fait. Des fois je comprends pas, donc comme j'ai mal, c'est comme l'exemple quand on dort un peu, ça va mieux parce que vous avez dormi, mais non, en fait j'ai toujours mal à un moment donné, les pleurs, les médicaments, la fatigue, on va peut-être s'assoupir peut-être 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, question de souffler un peu et puis dès qu'on se réveille, enfin voilà, ça repart. Donc voilà, en tout cas moi c'était mon témoignage et c'est que pour améliorer les choses, enfin, pour moi, je pense que pour les drépanos, chaque hôpital doit avoir un dossier spécifique pour accueillir les drépanos. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrive, qu'on ne nous laisse pas en train d'attendre aux urgences, en train d'hurler. Quand on se présente en disant qu'on est drépano, après, je ne sais pas, l'urgence aux urgences. Si on peut passer tout de suite, qu'on nous prenne tout de suite, qu'on ne nous laisse pas être là en train d'attendre, qui attendait. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ma dernière crise, pareil, c'était au mois d'avril, on m'a laissé hurler aux urgences. J'ai hurlé, tout le monde me regardait. Il y avait des enfants qui avaient peur. J'ai hurlé tellement parce que j'avais mal à la poitrine. Du coup, je me pliais en deux, limite, j'étais par terre. J'avais mon ami qui essayait de me relever, qui me disait « calme-toi, tout le monde nous regarde ». C'est pas pour autant, ils se sont dit « on va la prendre tout de suite ». C'est parce que les gens, ils étaient en train de s'inquiéter en disant « mais madame,
Et là, ils sont venus me chercher. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment un dossier. Voilà, dès qu'on se présente, il y a des drépanos. Ah, on a un drépano, bah, on y va. Une conduite à tenir, on va savoir voilà, ce qu'il faut faire. Exactement. Dans ces cas-là. Ouais. Voilà, tout à fait. Moi, pour moi, je pense que voilà, une conduite à tenir où tous les soignants, tous les hôpitaux doivent avoir, en sachant quand ils accueillent les drépanos, voilà, qu'on ne nous laisse pas dans un brancard ou nous proposer du doliprane. Parce que vraiment, quand on vient, parce que, ben, on a déjà utilisé tous les moyens à la maison, que les douleurs ne passent pas, et du coup, on se présente aux urgences. Donc, c'est une question un peu de formation, en fait, sur cette c'est maladie. Est-ce que nous a fait le professeur Kétaf avant? Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, bon, nous, à Strasbourg, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, je ne sais pas, j'imagine il y a peut-être des témoignages sur Strasbourg dans Balance ta crise, je ne sais pas. Mais on essaye depuis quelques années avec le docteur Amé, pour les adultes, puisqu'on est on s'occupe de patients adultes, on fait un topo aux internes des urgences pour leur expliquer la drépanocytose et là, justement ce côté douloureux, très douloureux, tout ce qui a été expliqué là dans la prise en charge de la douleur. Voilà, donc j'espère que ça aide à la prise en charge. Et puis c'est vrai qu'on avait peut-être cette question aussi de votre parole. Avant la crise Covid, pour la première fois, David Malika était venu aussi faire un mini témoignage avant notre cours. Je pense que ça personnalise aussi. En dehors de l'action, en dehors du moment où vous êtes là aux urgences comme patient, d'avoir un témoignage un peu à froid, c'est aussi intéressant peut-être pour les soignants d'avoir ce genre de choses, je ne sais pas. Ouais. Donc la formation, un dossier spécifique et savoir ce qui fonctionne pour chaque malade, croire les malades. Et je ne sais pas si Oumal Kera, vous avez aussi certainement plein de choses à dire sur la question. Oui, justement, moi je voulais surtout rajouter que les drépanocytaires sont tous différents. Donc, se baser sur les expériences précédentes, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment s'induire en erreur en fait. Parce que on m'a déjà dit une fois aux urgences, par exemple, que je n'avais pas le faciès de quelqu'un qui avait mal. Alors que moi, ma réaction face à la douleur, elle est différente de la réaction de Fanny, par exemple. Fanny, elle dit qu'elle a tendance à pleurer, à hurler. Alors que moi, j'ai tendance à vraiment intérioriser la douleur. Je ne crie pas, je ne pleure pas. Et plus la douleur, elle est forte, moi, je l'exprime, j'ai l'impression que je garde tout pour moi. Et donc, quand on a ce type de réflexion, en fait, on a l'impression, en fait, que moi, il m'est déjà arrivé, moi-même, de me remettre en question, en fait, par rapport à ce type de réflexion, à me demander si je n'exagérais pas ou si c'était peut-être moi qui avais un problème, etc. Et c'est beaucoup plus profond, en fait, que... C'est très profond, ça conduit vraiment à, comment dire, à un doute. Déstabiliser peut-être. Voilà, ça déstabilise. Et on se retrouve face à une personne vraiment, quand on se retrouve face à une personne qui est fermée, qui ne veut même pas faire d'efforts pour vous écouter. On ne sait même pas quoi faire. Et je voulais surtout rajouter que généralement, j'ai l'impression que la vie et la voix des patients ne comptent pas. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Là, je suis sortie d'hospitalisation il n'y a pas longtemps. Et tout de suite, je savais que j'avais un syndrome thoracique aigu. Je l'ai senti, je le savais depuis des jours que j'avais... je le ressentais au niveau du poumon. Donc, moi, j'ai une stratégie, c'est que je me rends jamais aux urgences de moi-même. Parce que j'ai remarqué que quand j'arrive aux urgences, je suis pas rapidement prise en charge. J'aimerais éviter le genre de situation où je me retrouve à pleurer dans la salle d'attente parce que c'est déshumanisant. C'est un peu déshumanisant aussi de se donner en spectacle, entre guillemets. C'est vrai, hein, tout à fait. Ça, dans la salle d'attente. Donc, je préfère rester chez moi, appeler le SAMU.
pour qu'ils viennent me chercher, que je puisse avoir de l'oxygène, par exemple, dans l'ambulance, avant d'arriver aux urgences. Du coup, quand ils sont arrivés, la douleur, elle n'était pas très, très forte. Et quand je suis partie aux urgences, je leur ai dit que je sais que j'ai un syndrome thoracique aigu. Et donc, on m'a fait une radio et on m'a donné des antidouleurs. Et à ma grande surprise, comme j'ai été calmée, que je me suis endormie, et comme le disait Fanny tout à l'heure, quand on dort, généralement, c'est synonyme de « elle a plus mal ». ».« Elle a plus mal ». Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, le médecin m'a dit de partir. Et c'est pour ça, justement, que j'ai choisi le témoignage que j'ai lu précédemment, parce qu'il a eu lieu dans les mêmes urgences à Toulouse, à Rangueil. Et je constate que je ne suis pas un cas isolé, en fait. Il y a beaucoup de similitudes dans la prise en charge des drépanocytaires. Quand ça ne va pas, les mêmes problèmes sont redondants. Et du coup, c'était vraiment pareil pour moi. On m'a dit de rentrer à la maison et que apparemment la douleur était calmée, que c'était l'essentiel et qu'il n'avait rien vu au niveau de la radio. Et moi, j'ai dit au médecin, je lui ai dit que franchement, je sens que j'ai un syndrome thoracique aigu et je n'ai pas envie de rentrer à la maison, sachant que je suis très difficile à piquer. Là, ils avaient pu trouver une voie et je me suis dit, là, on va m'enlever le cathéter, je vais rentrer chez moi. Si c'est pour revenir le lendemain ou dans quelques heures, me refaire piquer pendant des heures avant de trouver une voie pour pouvoir être soulagée, ce n'est pas possible. Donc, je lui ai proposé de rester un peu en observation, en attendant... au moins juste pour voir si les douleurs n'allaient pas revenir. Il a dit d'accord. Et heureusement, il a appelé mon spécialiste qui lui a dit tout de suite qu'il ne fallait pas me laisser rentrer à la maison, qu'il fallait me garder, que je devais être hospitalisée parce que j'avais sûrement une infection au niveau du poumon. Donc, j'ai été transférée à l'institut qui prend en charge les drépanocytaires de Toulouse. Et quand j'ai été transférée là-bas, les médecins m'ont dit qu'eux, ils avaient vu le syndrome thoracique, que c'était confirmé. Et heureusement qu'ils avaient dit ça aux urgences parce que là-bas, ils ont pu commencer l'antibiothérapie. Donc, c'est pour dire que avant même que des fois, il y ait des signes d'infection ou qu'il y ait des signes qu'on peut voir scientifiquement sur les analyses, nous-mêmes, généralement... on arrive à savoir ce qu'on a, on écoute nos corps, on sait ce qui se passe, on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me dis qu'il faut vraiment que les médecins soient beaucoup plus ouverts au dialogue avec les patients. Il m'est déjà arrivé la même chose aussi une fois aux urgences de peau. J'avais un problème avec la pompe à morphine. Quand j'appuyais, j'avais l'impression que la morphine que je recevais pas, en fait. Oui, que ça ne venait pas. Et je l'ai dit au médecin pendant plusieurs... un ou deux jours, je pense, non, pas un jour, pendant plusieurs heures, désolée, j'ai pas trop la notion du temps, mais je sais dans ma tête que je lui ai dit ça à plusieurs reprises, et sur le moment, il ne m'a pas cru, mais je pense qu'à force de le répéter, de sonner, ils ont vraiment voulu me croire finalement, et quand ils ont regardé la pompe, ils se sont rendus compte que la pompe avait un problème, en fait, que la morphine, n'était pas distribuée comme elle le devait. Et le médecin est venu, il s'est excusé, il m'a dit « Oui, madame, en fait, vous aviez raison. La pompe, elle a un problème, donc quand vous appuyez et tout, la morphine, elle ne venait pas comme il le fallait. » Et ça lui a vraiment prouvé que quand le patient dit quelque chose, il faut l'écouter. Après, en dehors de ça, comme l'a dit Dani, moi, j'ai vécu beaucoup de racisme justement au centre hospitalier de Pau. C'était pas pendant les urgences, mais c'était pas lors de mon passage aux urgences, mais c'était vraiment pendant les hospitalisations. Par exemple, il y avait des aides-soignantes qui ne voulaient pas me toucher, sachant que moi, je vis seule, je n'ai pas de famille en France. Donc, quand je suis hospitalisée, il y a de temps en temps peut-être des amis qui passent me voir, mais j'ai personne à mon chevet. Et donc, quand vous avez un drépanocytaire qui est douloureux, qui ne peut pas se lever pour faire pipi, qui ne peut même pas se lever pour faire pipi tout court et qui a besoin de faire pipi dans le bassin, dans le bassin et que ça soit régulièrement vidé, j'ai forcément besoin d'aide, en fait. Et donc, ce qui se passait à Pau, c'est que les aides-soignantes ne voulaient pas me toucher, certaines ne voulaient pas du tout avoir affaire à moi.
Elle ne me faisait pas ma toilette. Et le pire, c'est qu'elle venait le matin me crier dessus. Oui, levez-vous, faites votre toilette et tout. Nous, on va faire une affaire. Elle ne voulait pas vider mon bassin. Et quand elles arrivaient dans la chambre, elles se bouchaient le nez. Elles disaient, ouais, ça a pu et tout. Mais je suis sensible à ça, en fait. J'ai mal bouché. Je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. Et c'était vraiment une expérience qui m'a traumatisée. Je ne veux pas le cacher. Ça m'a poussée même à déménager. J'ai quitté la ville de Pau pour ça parce que c'est devenu insupportable. Et c'était vraiment du racisme ? Enfin, vous avez vraiment l'impression que c'était un traitement qui vous était réservé à cause de la couleur de votre peau ou Oui, c'est pas un traitement qui m'était réservé pour la couleur de ma peau parce qu'on est deux par chambre à Pau. Mm-hmm. Le service dans lequel j'étais, nous étions deux. Et les dames à côté de moi, bah, elles recevaient les soins normalement et tout, sans problème. Et dès qu'ils sont à côté de moi, il y avait une ou deux aides-soignantes qui avaient toujours ce genre de comportement-là. Mmh. Oui, je voulais revenir là-dessus parce que tout à l'heure, j'ai dit que le racisme et les discriminations, ça existe. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est absolument insupportable et ça doit vraiment être dénoncé. C'est vrai qu'il faut... Bon, vous êtes malade, votre maladie vous complique la vie, mais c'est vrai que avec le soutien de l'association, il faut vraiment dénoncer à chaque fois que vous êtes victime de paroles racistes ou de discrimination. Ça, il faudrait arriver à ce que ça reste pas impuni. Et ce que je voulais juste dire aussi, c'est vrai par rapport à la douleur, c'est vrai que chacun est différent. Et moi, je me rappelle d'une patiente qui, heureusement, qui venait à un moment presque tous les mois pour une crise vaso-occlusive. Heureusement, là, son docteur Amé qui l'a su a trouvé le traitement qui lui convenait, mais elle ne vient plus. Mais c'est vrai qu'elle, quand elle était douloureuse, elle était repliée sur elle-même, probablement comme vous, et même un peu hostile. Enfin, pour nous, on peut vous sentir hostile parce que vous êtes tellement douloureuse que vous supportez rien d'autre. Et puis après, on voyait tout de suite quand ça allait mieux parce qu'on retrouvait... Elle pouvait à nouveau nous faire son grand sourire. On voyait tout de suite si ça allait mieux. Mais quand elle était en crise, c'est vrai que je pense que tout devient insupportable. Donc du coup, quand on allait s'occuper d'elle, on n'avait pas un retour positif. C'est vrai, quand on va s'occuper d'un patient, sûrement quand on fait médecine, c'est pour avoir une reconnaissance. Ou quand on est infirmière, c'est pour faire quelque chose qui fait que le patient se sente bien. Et on ne l'a pas immédiatement. Donc, on peut avoir un peu du mal quand on est soignant. Bon, mais vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous avez mal et vous êtes excédé par cette douleur. Mais c'est vrai que ça peut... Pour le soignant, il faut qu'il arrive à prendre sur soi et comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est une question de connaissance aussi. Je peux rajouter quelque chose au niveau, s'il vous plaît. C'est difficile à comprendre que quelqu'un veuille être infirmière et qu'il croit qu'il va soigner qu'une certaine catégorie de personnes. Ça, je ne le comprends pas. On doit avoir de l'empathie pour tout le monde, pour n'importe quelle personne, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit jaune ou qu'elle soit grosse ou qu'elle soit ce que vous voulez ou moche. Hein. On soigne tout le monde. Si on fait ce métier, c'est parce qu'on veut aider les autres, parce qu'on veut soulager les autres. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là se lancent dans ces métiers-là, parce qu'ils seront confrontés toute leur vie à ce genre de situation. Et je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que moi, j'ai remarqué que généralement, ces problèmes arrivent avec plutôt les infirmiers. J'ai l'impression qu'avec les médecins, ça va mieux. Par exemple, moi, une fois aux urgences, j'ai déjà entendu un infirmier dire au médecin, oui, mais elle dit qu'elle a mal alors qu'elle dort. Je pense qu'elle veut juste de la morphine ou des médicaments et tout. Et le médecin lui a dit, mais non, c'est pas parce qu'elle dort que ça veut dire qu'elle a pas mal. C'est peut-être parce qu'elle est sous morphine et que ça a un peu calmé la douleur et que ça lui a permis au moins d'avoir un peu de répit. Mais ça veut pas forcément dire qu'elle ment. Et je me suis rendu compte que des fois, les médecins, ils ont vraiment aussi de la difficulté à se faire entendre des infirmiers. Mmh. Ouais, c'est vrai. Bon. Oui,
Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça se passe un peu partout pareil. Parfois, la nuit, aux urgences, ce n'est pas des médecins du service des urgences qui sont là. C'est des médecins d'autres services qui viennent faire la garde, donc qui sont moins légitimes. Parfois, on peut avoir, par exemple, des gériatres. Je sais que j'avais déjà eu un gériatre qui avait pris en charge, donc quelqu'un qui s'occupe de personnes âgées, bon, qui avait pris en charge une personne drépanocytaire et qui l'avait transfusée parce qu'elle avait 8 grammes d'hémoglobine, alors que ce n'était pas du tout une indication de transfusion, et qu'on sait que la transfusion, il faut faire attention, ça peut être dangereux aussi. Donc, voilà, donc c'est vrai que les médecins... peut-être ils se sentent parfois, si c'est un médecin qui n'est pas du service, il est peut-être moins à l'aise et peut-être effectivement qu'il y a un rapport de force avec les infirmières. Et il y a peut-être effectivement les infirmières qui sont à former aussi. Je ne sais pas si. Bon, je pense qu'on parle de la drépanocytose dans leur parcours, mais est-ce qu'on en parle beaucoup? Non, apparemment non. Non, on en parle pas. Beaucoup d'infirmiers que je connais, non, ils ne parlent pas du tout de la drépano. D'accord. En fait, ils connaissent le nom. Oui. Il y en a qui le font dans leurs études. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs jeunes infirmières, même aides-soignantes, qui connaissaient. Mais après, voilà, elles connaissent. C'est une maladie. Mais elles ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, ni que cette maladie est si grave et si douloureuse. Et peut entraîner. Oui. Et peut entraîner. Pardon. Non, je disais que selon les personnes que je connais qui sont infirmiers, tout ça, ou infirmières, ils me disent que la partie où il y a la drépanocytose, en fait, ils survolent la partie, quoi. Ils ne s'attardent pas là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, Fanny, c'est qu'en fait, oui, on sait, on a entendu parler, on ne l'a fait pas dans nos études, mais c'est survolé et ils ne connaissent pas, dans le fond, tout ce que peut engendrer cette maladie, les syndromes thoraciques, les AVC, les yeux, les nécroses, enfin, tout, que ça affectionne autant de choses dans le corps humain et que ça diminue... beaucoup de choses, quoi, voilà. Donc, c'est pas vraiment une connaissance, effectivement. Ils connaissent, voilà, et ils ne savent surtout pas qu'il y a autant de gens qui en ont, parce que moi, je peux vous dire quand même que mon fils, qui est suivi à l'hôpital de Béziers, c'est le seul enfant qu'ils ont qui a la drépanocytose. Chaque fois, je leur dis, vous n'en avez pas eu d'autres, hein? Donc, ils ont que lui, bon. Alors, pour faire un mauvais jeu de mots, je dirais là-bas, il est connu comme le loup blanc. Mais bon, pas blanc. Voilà. Ils le connaissent bien à l'ensemble. Ça aide. J'attends dans quelques années, chez les adultes, si ça sera la même chose, en espérant que d'ici là, donc 4 ans à peu près, on aura beaucoup avancé sur le fait de prendre mieux en charge cette maladie aux urgences et sur la discrimination qu'elle engendre. Et justement, comme piste d'amélioration, moi, j'avais pensé à peut-être essayer d'aller en école d'infirmiers, peut-être qu'il y ait des patients experts qui aillent régulièrement pour sensibiliser sur la maladie, pour échanger avec le personnel médical depuis les bancs, quoi. Très bien, ouais, ça, c'est sûrement quelque chose que l'association pourrait porter, effectivement. Peut-être à l'occasion de la journée de la drépanocytose, essayer de se rendre visible dans des congrès d'infirmières ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il faut se faire connaître, oui. C'est vrai, il faut en parler, parce que même, effectivement, même si c'est une maladie qui touche un gène, la plus fréquente en France et dans le monde, je crois d'ailleurs. C'est plus fréquent, par exemple, que la mucoviscidose, mais on n'en parle pas de la même façon. Donc, c'est vraiment bien que SOS Globi existe et il faut vraiment vous rendre visible le plus possible pour que tous les médecins et les infirmières en entendent parler et puis soient sensibilisés à cette question. Je voulais revenir sur l'histoire du téléphone, téléphone et des pompiers là. C'est vrai que c'est des choses assez classiques qui sont décrites. Hein.
C'est vrai que quand on s'intéresse à la drépanocytose, on sait que bah, les patients, ils ont des stratégies pour essayer de ne plus penser à la douleur, donc soit d'avoir des copains et des copines qui viennent, et à ce moment-là, on arrive à plaisanter, mais dès qu'ils s'en vont, on repense à la douleur ou elle revient, et du coup, l'infirmière va dire, ah ben oui, non, mais il y a, ou le médecin va dire, non, mais il y a 3 minutes, vous étiez en train de plaisanter avec vos copines, et puis maintenant, vous demandez de la morphine. Ou... Voilà, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est effectivement de la méconnaissance sur ce qu'on peut faire soi-même pour essayer de détourner son attention de la douleur. C'est vraiment pas sympa de dire des choses comme ça, parce que je pense que quelqu'un qui est opéré de l'appendicite juste à côté, il peut être très mal, puis sa famille vient et le distrait, il pense moins à sa douleur, et quand sa famille s'en va, eh ben lui aussi la douleur, elle, c'est pas qu'elle revient, parce qu'elle est toujours là, mais ben du coup on n'a rien, on n'a pas de dérivatif à la douleur, et du coup eh ben on retombe, ben oui ça faisait mal, mais on y pensait moins, c'est voilà, hein, c'est stratégique, hein. Donc c'est quand même moche de faire des remarques comme ça. Excusez-moi, Madame Rondeau, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir, est-ce que vous, dans votre service, il y a un protocole préétabli pour la prise en charge des drépanocytaires quand ils arrivent aux urgences? Alors, du coup, je crois pas. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans le logiciel de l'hôpital une observation spécifique pour les patients drépanocytaires. Donc, normalement, elle apparaît tout en haut de la liste des différentes hospitalisations. Et on a mis en première page les choses importantes pour les urgences. Et donc, on a mis quelques recommandations, comme par exemple ne pas transfuser, prendre en charge la douleur le plus rapidement possible. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Après, il n'y a pas forcément quelque chose d'écrit, mais chaque semestre, donc il y a la formation aux internes des urgences, mais il y a la formation des internes qui passent dans le pôle. Donc, c'est le premier cours, je crois, un des premiers cours qui leur est fait, c'est la drépanocytose, parce que pour comme les urgences nous transfèrent de façon préférentielle les patients dans notre service. Donc, du coup, pour que les gens soient bien pris en charge. Et je crois que le message de la morphine, de la PCA est à peu près passé. Après, certainement qu'il y a toujours des fois où on n'est pas parfait. Mais comme dit, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend de chaque patient. Donc, des fois, j'essaye de mettre à la fin, dans la conclusion, voilà, on a fait des bolus, comme je vous disais tout à l'heure, des bolus de 4 mg sont bien supportés et on peut recommencer comme ça chez le patient, mais c'est vrai que c'est pas fait à chaque fois. Me dis que ce serait bien peut-être d'avoir un protocole. Après, comme je dis, les drépanocytaires sont différents, on ne peut pas avoir le même traitement pour tout le monde, mais peut-être une liste avec vraiment explicative des... Par exemple, on peut proposer la couverture chauffante, le méopa, l'oxygène, un petit protocole aux urgences qui permet à toutes les équipes de savoir quoi faire quand un drépanocytaire arrive. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis en train de regarder, mais je crois qu'on avait un peu, on a mis ça et on donne ces informations, mais peut-être quelque chose. Ce serait encore mieux d'avoir quelque chose de personnalisé. On pourrait nous donner notre protocole qui a été établi le jour de notre sortie et qu'on ramène la fois d'après. Imprimé sur un papier, voilà, on vous a reçu aux urgences, on vous a mis ça, ça et ça et ça, après vous êtes allé en chambre, on a fait ça, ça et ça, et on repart avec le papier, et on le ramène la fois d'après. Oui, on reçoit la conclusion, c'est vrai, on devrait peut-être la prendre. La conclusion médicale, donc du coup, il faut y penser. Il n'y a pas tout expliqué, il n'y a pas toutes les posologies, c'est pas tout expliqué ce qui vous a été donné dès votre entrée aux urgences. C'est plutôt une description de la crise que vous avez eue. Oui, c'est ça. Parce que et moi, je le reçois, le compte rendu, pas toujours, mais de temps en temps. Temps en temps, le reçoit. Mais peut-être avoir un protocole de ce qui a été fait dès votre entrée aux urgences jusqu'à votre sortie, et la fois d'après, revenir avec celui-là. S'il y a quelque chose qui a été changé parce que ça fonctionnait mieux à un moment donné pendant votre séjour, vous repartez avec le nouveau papier de ce qu'on vous a fait. Ça pourrait peut-être... Oui, avec les questions de doses qui sont quand même très variables d'une personne à l'autre. Voilà. Des fois, il y a quelqu'un qui va être surdosé avec 1 mg et quelqu'un d'autre qui va bien supporter 4 mg. Voilà. Et comme ça, vous partez avec votre protocole personnalisé.
Alors, la fois d'après, peut-être ça va un peu changer, mais au moins, c'est le vôtre. Oui, c'est ça. Peut-être pas tout ce qui a été fait, mais ce qui a marché, en tout cas. Voilà, ce qui a marché. En tout cas, dans la première prise en charge qui est aux urgences, surtout. Parce que c'est là que tout se joue un peu, au final. Si on attend trop aux urgences sans antidouleur, ça met au pas, la crise, elle s'installe, et c'est plus difficile à résorber ensuite pendant le séjour, je pense. Après, je sais pas. Si vous aviez, moi je m'étais dit après, je repensais à ces témoignages, donc balance ta crise là, que j'ai montré un peu à mes collègues. Alors c'est vrai que mes collègues étaient un petit peu, comment dire, déstabilisés, un peu, c'est un peu dur pour des professionnels de lire des choses comme ça, même si c'est des histoires vraies. Hein. C'est vrai que, et je me demandais, j'avais demandé donc à Diana Ba, quand on s'était réunis, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que vous alliez faire de ces témoignages. Donc, elle me disait que vous aviez, à l'occasion d'un témoignage sur, par exemple, c'était à Marseille, je crois, que vous étiez allé voir le chef de service des urgences pour lui montrer ce témoignage et faire en sorte que ça change et que ça avait un peu changé, puis qu'après, finalement, ça s'était à nouveau. Les choses étaient un peu demandent à être réactualisées, rappelées sans cesse pour que ça marche. Je me demandais, j'essayais de savoir comment vous pourriez faire pour que ça se passe mieux aux urgences. Je sais pas, je m'étais dit peut-être vous parler de vos spécialistes qui sont des soutiens quand vous allez pas bien. Quand on arrive à joindre votre spécialiste, après, tout de suite, ça va mieux. Déjà, vous vous sentez rassuré, ce qui a un effet aussi sur la douleur, je pense. Que quand on rajoute du stress en vous délégitimant, en croyant pas votre douleur, en vous humiliant, en disant « Madame revient parce qu'elle a fait un caprice », c'est sûr que ça doit pas aider pour la prise en charge de la douleur. Mais donc, ces spécialistes-là qui vous suivent, peut-être, je sais pas, est-ce qu'il faudrait aussi… Les centres de compétences, ils ont un rôle de formation aussi, donc peut-être les solliciter pour qu'ils forment leurs collègues, je sais pas. Moi, je sais que moi, mon spécialiste, quand j'ai les différentes urgences et tout, je lui en fais part, mais après, elle peut pas être partout. Gérer son service, ses patients de répano, les urgences. En tout cas, moi, je sais que, en général, en plus, moi, j'avais un médecin qui était super, super cool. J'avais son numéro perso. Donc, je l'embêtais pas tout le temps, mais quand je sais que j'étais vraiment pas bien et je lui disais, je suis aux urgences ou deux fois, on lui disait que j'étais aux urgences. Elle venait à regarder ce qu'on me donnait. Elle est temps d'avoir une place dans les chambres. Elle descendait quand même. Mais quand je lui disais des certains différents, quand elle était pas là, je lui racontais. Mais bon, pas non plus tout. Ça tient pas à elle en fait. C'est carrément tout. Il faut revoir à tout le prise en charge, le protocole des urgences, quoi. Parce qu'elle, à la base, elle travaille pas aux urgences, donc elle peut que le faire remonter. Mais après, c'est ça aussi le problème. Bon, après, les gens ne sont pas contre une formation en général, quoi. Hein, je veux dire, je trouve qu'ils sont plutôt. Ils acceptent plutôt. Je ne sais pas, quelqu'un voulait parler, c'était peut-être. Après, la difficulté réside vraiment aux urgences parce que généralement, quand on est pris en charge dans l'institut où se trouve notre spécialiste, ça va bien. Oui, ça se passe bien. Et moi, je sais par exemple que quand je suis hospitalisée, quand je suis aux urgences, à chaque fois j'appelle, je téléphone, j'essaie d'avoir la secrétaire de mon spécialiste pour demander un transfert. Eux, par exemple, ils me disent oui, que c'est bon qu'ils attendent les urgences, en fait, l'hôpital où je suis, pour faire le transfert. Et eux, ils me disent que non, qu'il n'y a pas de place là-bas, que je ne pourrais pas être transférée maintenant. Du coup, il y a un problème, je ne sais pas, il y a un problème, l'information ne circule pas bien, je ne sais pas généralement ce qui se passe, mais du coup, il n'y a pas tout le temps de compréhension entre les deux parties, en fait. Ouais, c'est pour ça que le professeur Kelaf fait cette formation et je pense ces formations diffusent un petit peu partout. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vous êtes parfois pris un peu dans
dans le fonctionnement de l'hôpital avec la tarification à l'activité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est que normalement, comment dire, l'hôpital, il est rémunéré en fonction de groupes de malades et en fonction d'un diagnostic, il reçoit une certaine rémunération. Et par exemple, j'imagine pour crise vaso-occlusive, il y a, je ne sais pas, genre 4 000 euros qui sont versés à l'hôpital. Et si le patient reste hospitalisé 6 jours, l'hôpital va dépenser plus que les 4 000 euros qui étaient prévus. Donc, du coup, il y a cette logique qui est parfois qui est vraiment contre-productive pour la prise en charge des patients qu'on peut déplorer. Et que quand vous êtes hospitalisé dans une unité, là il y avait un témoignage avec quelqu'un qui était hospitalisé dans l'unité de court séjour. Donc c'est une unité justement où on met des gens dont on pense qu'ils vont pas rester longtemps. Et quand ces unités ont été mises en place, je sais pas maintenant, je sais pas si c'est toujours le cas, mais vraiment c'était l'idée que voilà, il fallait faire sortir le patient, il devait rester 48 heures, 72 heures, mais pas plus quoi. C'était, et c'est pour ça que je pense chaque jour le médecin revenait en disant bon bah maintenant vous allez peut-être pouvoir sortir, puisque c'était un peu une erreur d'avoir été réorienté dans cette unité, puisque ça induisait une demande de sortie du patient, une injonction du médecin à faire sortir les patients rapidement. Voilà. Ouais, mais bon, le truc, c'est que quand même, quand on vous pousse vers la sortie alors que vous n'êtes pas bien, c'est quand même pas top, quoi. Moi, je trouve que quand même, il y a beaucoup de couacs, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça où c'est dur pour ces personnes-là, pour qui sont malades, et de voir qu'on minimise toujours cette maladie, qu'on minimise leur douleur, que limite on les prend pour des menteurs. Je ne comprends pas, moi, ce personnel soignant qui n'a pas d'empathie. Alors, il y en a des super adorables, hein, mais des médecins aussi, des fois d'ailleurs. Mais là, quand même, je pense que dans l'être humain, il y a des choses à revoir. Hein. Il y a du boulot quand même. Hein. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot parce que c'est dur pour eux. Je pense que c'est plus dur pour eux que pour vous. Vous avez du mal à l'entendre. Que votre corps médical se comporte comme ça, je le sens bien, et je le comprends, mais il faut l'entendre. Il faut que le corps médical entende qu'il ne se comporte pas toujours bien envers les malades. Oui, ben, si je suis là, c'est que je suis capable de l'entendre, voilà. Mais je voulais aussi un peu représenter l'autre côté et vous dire que c'est pas toujours facile à l'hôpital, mais je sais que vous le savez. Ouais. Je pense que c'est pas la majorité quand même, hein, sinon j'irai même plus à l'hôpital. C'est pas la majorité, bien évidemment, mais bon, voilà, je crois qu'il y a un travail de fond à faire, hein, sur le personnel qui arrive maintenant dans les hôpitaux, le personnel, certains médecins aussi, hein, mais bon, voilà quoi. Oui, tout à fait. Et moi, le mystère aussi, je trouve, c'est que dans les témoignages qui sont lus, on voit que le patient… Alors, il y a une fois quelqu'un qui n'a pas été perfusé, mais sinon, on voit que le patient a eu une prise de sang, il a eu une pause de perfusion et ça s'est arrêté là, quoi. C'est vrai que peut-être effectivement la question de la prise en charge de la douleur, elle n'est pas au premier plan aux urgences. C'est vrai que moi, je me rappelle… Ça va vous faire bondir, hein, mais que moi, quand j'étais étudiante en médecine, c'était il y a longtemps, on apprenait que, par exemple, si quelqu'un venait avec un abdomen douloureux, il ne fallait pas lui donner de médicaments contre la douleur parce qu'après, ça allait être plus difficile de faire le diagnostic. Donc, il fallait d'abord bien examiner le patient, avoir fait un diagnostic et ensuite, on lui donnait un médicament pour la douleur. Bon, là, je pense que les choses ont changé, mais c'est vrai que la douleur n'est peut-être pas considérée comme une urgence. Aux urgences, ou peut-être on considère plus, bien sûr, un arrêt cardiaque, c'est plus urgent qu'une prise en charge de la douleur, mais c'est vrai que c'est une urgence aussi, quoi. C'est une urgence aussi. Voilà. Parce que tout se passe à l'intérieur. Une plaie ouverte, c'est sûr, c'est urgent. Voilà. Voilà, le gars, il arrive avec un coup sur la tête, il se fend, mais il a du sang partout. Mais ces douleurs intérieures causent tellement de dégâts dans l'organisme qu'elle est très importante. Et ça, il va falloir le reconnaître, il va falloir. Voilà. C'est ça, cette malédiction, c'est qu'on ne voit rien. Dans la drépanocytose, on ne voit pas quelque chose qui exprime la douleur alors que les patients souffrent horriblement. Voilà. En plus, généralement, les urgences ont vraiment, la prise en charge des urgences a vraiment un impact sur le reste de l'hospitalisation. Si ça se passe bien, généralement, ça évite
des complications. Ça évite que la crise perdure quand elle est cassée immédiatement. Il est vraiment primordial en fait que les choses changent. Ça, c'est un message important, effectivement, que en prenant bien en charge les patients tout de suite, probablement on diminue la durée de la crise et on diminue les complications. Ça, c'est quelque chose aussi à retenir de cette table ronde, effectivement. C'est certainement très vrai. Ok, bon, mais je sais pas, je crois qu'on arrive à peu près au bout du temps qui nous était dédié. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation à toutes les trois, et c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment, je trouve que c'est toujours quand même bien d'entendre à froid vos témoignages. Et puis ben voilà, il faut vraiment continuer à parler de la drépanocytose pour que les gens connaissent bien cette maladie. Voilà, et continuer à former le plus possible et témoigner, et voilà. C'est important ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci aussi de nous avoir donné la parole. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à vous aussi, Madame Rondo. Alors, merci beaucoup pour cette table ronde et ces témoignages qui étaient vraiment très enrichissants. Il y a énormément de commentaires et de questions sur le chat. Je ne sais pas si le professeur Kelaf est avec nous, qu'il y en a beaucoup qui lui sont adressées. Alors, j'essaie de regrouper un peu pour essayer de rien oublier. Quelque chose dans votre diapo qui a marqué, c'est des patients qui vont aux urgences quasiment toutes les semaines. Et je crois que vous avez évoqué à la fin votre protocole DREPADOM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour savoir finalement comment éviter ces hospitalisations? Alors, soit les passages aux urgences, soit après l'hospitalisation en unité conventionnelle. Alors, DREPADOM, comme je vous disais, c'est basé sur le score PRESEV. Hein, donc, un score PRESEV bar nous permet d'envisager un retour à domicile. Bon, évidemment, c'est pas tout le temps dans le super, il y en a quand même pas mal qui font les lignes. En fait, on a commencé quand? On a commencé l'année dernière au moment de la Covid, parce qu'il y avait un manque de lits que vous connaissez bien. Donc, les patients sont d'ailleurs beaucoup moins venus aux urgences. Et on avait souvent pas de lits, malheureusement, pour les garder. Donc, on a essayé de mettre en place ce système-là, qui a rencontré un vif succès auprès des patients drépanocytaires, très content de pouvoir rentrer à la maison. Et donc, on a mis ça en place, là, à nouveau en avril, avec des moyens qui nous ont été alloués. Donc, on a une infirmière qui s'occupe de ça en termes de régulation. On a des infirmières qui se projettent à domicile, qui permettent de surveiller les perfusions, l'administration de la morphine. Et on a surtout un monitoring sur une plateforme téléphonique qui est via une application qui permet aux patients d'interagir avec un médecin quasiment permanent. Donc, on n'a pas encore tous les chiffres, hein, je ne peux pas vous donner tous les chiffres. En tout cas, la satisfaction des patients est vraiment totale, avec même, de façon surprenante, des consommations de morphine à domicile bien moindres qu'à l'hôpital. Oui, effectivement, je pense que ça rejoint un peu les témoignages où finalement le patient elle est sur son téléphone ou essaye de dormir un peu. Sinon, c'est des stratégies un peu d'évitement de la douleur. Et on peut clairement comprendre que les patients se reposent mieux chez eux, dans leur lit, que sur un brancard aux urgences ou même en service d'hospitalisation où ils sont sollicités en permanence. Il y avait également pas mal de questions sur la formation des internes. C'est un point que j'ai bien noté dans la table ronde d'avant, et moi je suis d'accord avec lui, c'est qui n'existe pas dans les études de médecine. Hein. La drépanocytose n'est pas enseignée dans les études de médecine. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et ça, je pense que c'est vraiment la responsabilité des associations de faire du lobbying auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour que ce soit mis à un moment donné aux épreuves classiques, hein, parce que c'est un vrai problème. Moi, le premier drépanocytaire que j'ai rencontré, c'était quand j'étais interne, je n'avais jamais entendu parler avant. Il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas la pathologie, et ça c'est un vrai problème effectivement. Au niveau des écoles d'infirmières, je pense que c'est pareil, hein, je pense que c'est pas enseigné. En tout cas, moi je suis enseignant à l'IFSI, j'ai jamais été sollicité sur ce sujet là d'ailleurs il faudrait que je propose une formation, c'est à peu près sûr, mais c'est un vrai problème. Merci beaucoup. Nous effectivement on essaye de former les internes à chaque nouveau choix aux urgences. Est-ce que vous avez des protocoles particuliers justement d'accueil des patients drépanocytaires aux urgences? Est-ce que dès l'entrée aux urgences, ils sont orientés de manière particulière? Ah oui, complètement. Ils sont,
sont repérés quasiment depuis la salle d'attente, ils sont pris en priorité, ils sont classés deux en priorité, c'est-à-dire que sur l'échelle de 1 à 5, 1 étant le plus urgent et 5 le moins urgent, ils sont au niveau 2. Ça veut dire qu'ils doivent être vus dans les 20 minutes par un médecin, ce qui est quasiment toujours le cas. Ils sont perfusés avant même de voir un médecin. On commence l'hydratation, on commence les antalgiques, le méopa, c'est vraiment hyperalgique. J'ai des collègues, notamment à Tenon, là, qui ont eu la bonne idée aussi de commencer la morphine féroce dès l'IAO, dès l'infirmière d'accueil d'orientation. Ça, je pense qu'on va s'en inspirer, c'est une très bonne idée, je pense. Et ensuite, on commence la titration, la PCA, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une affluence cataclysmique, ce qui peut se voir au moment de la grippe notamment, normalement, un patient drépanocytaire, il est pris en charge dans les 30 minutes de son arrivée, sans difficulté. Il y a aussi également un problème qui revient souvent, c'est le problème de voie d'abord chez ces patients. Alors, on est très intéressé par votre système pour repérer les veines. Je crois, de notre expérience, ça ne marche quand même pas super bien. Ça fait un peu gadget comme ça. Il y a des patients qui en bénéficient bien quand même. Alors, je crois que c'est le professeur Harley. Il est là cet après-midi, je crois. Il faudrait que vous lui posiez la question parce que c'est lui le spécialiste. Hein. Il est en train de faire une étude justement où il chronomètre la mise en place d'une perfusion avec le système versus sans le système. Donc, il a peut-être déjà des chiffres à vous donner, scientifiques. Hein. Mais en tout cas, les infirmières sont assez contentes de ce système-là. Après, c'est vrai qu'on a un vrai problème avec les abords veineux, ce qui fait que souvent on finit avec des cathéters centraux qui sont quand même pas anodins, notamment fémoral et en sous-clavier. Et c'est vrai que il faut peut-être qu'un jour on se pose la question aussi de faire du péronte un peu plus, hein, parce qu'on fait beaucoup bien d'intraveineux et on est tous à peu près persuadés que le péros pourrait aussi être très, très efficace. Hein. Et effectivement, peut-être aussi former les professionnels et puis les paramédicaux. Il y a quand même une peur, je pense, de la morphine qui nous est enseignée pendant toutes nos études. Il y a une certaine appréhension des soignants à donner des fortes doses. Et on parlait des doses de morphine initiales. C'est vrai que quand le patient arrive aux urgences, peut-être que le dafalgan codéiné ou le paracétamol, ce n'est pas l'étape en fait, qui doit être la première, mais peut-être passer directement aux antalgiques de palier 3. Clairement, tout à fait. Et aussi, ce que j'ai retenu de la table ronde, c'est que... Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers un traitement un peu personnalisé de la crise de l'obésité. Alors ça aussi, c'est un peu la responsabilité des patients. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en tout cas avec les patients, c'est que je leur demande ce qui marche chez eux, ce qui ne marche pas. Donc il y a des gens qui sont récupérants, il y a des qui ne sont pas. Il y a des gens qui me parlent d'anti-inflammatoires. Bon, même s'il y a des études contre, quelquefois, je suis d'accord pour le faire. Mais je pense que c'est aussi aux patients à dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, hein, parce que c'est quand même lui qui ressent la douleur. Et pour ce qui est de la sortie, c'est pareil. Hein. Moi, c'est les patients qui décident. Hein. Depuis les urgences, s'ils ont mal, c'est eux qui disent s'ils veulent rester ou s'ils ne veulent pas rester. Hein. On n'a jamais mis un patient drépanocytaire à la porte parce que clairement, la douleur, c'est lui qui le ressent, c'est pas le médecin. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment que l'avis des patients soit mis en avant. Et c'est aussi aux patients à prendre le leadership hein, sur ça. Hein. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Marianne, vous voulez compléter avec des questions qui vous ont... Tout à fait. Alors, les participants ont posé beaucoup de questions sur la table ronde des patients. Nous avons... alors, cette question, c'est pour le professeur Khelaf. A-t-on des données scientifiques réalisées chez les patients depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte? Je suis une maman d'enfant drépanocytaire SS âgée de 6 ans. Ayant commencé le traitement à 5 ans, ils ne font quasiment plus de crise. Je me demandais si l'effet protecteur serait conservé en grandissant. On parle de quoi, de l'urée? Alors, je ne sais pas de quoi parle la personne. Elle fait des... Alors, on va passer à une autre question, parce que là, ce n'est pas très clair. J'ai fréquemment des ecchymoses douloureuses sans avoir de traumatisme, et ces ecchymoses sont localisées souvent au membre inférieur et des fois au visage. Je voudrais savoir si ces ecchymoses sont dues à quoi, et s'il vous plaît. Pardon. Alors,
Je n'ai pas d'idée quand il y a des ectymoses. Non, j'avoue que je ne sais pas. Oui. Excusez-moi, on vous entend très mal, professeur Kelaf. Ah bon, excusez-moi, mais je n'ai pas de réponse à ça. Alors, existe-t-il un colloque d'urgence sur la drépanocytose? Alors, moi, j'interviens chaque année au congrès des urgences sur la drépanocytose. À chaque fois, les gens sont très intéressés par le monoprotocole, le soin. Et j'ai même été dans pas mal d'hôpitaux faire des topos, notamment à Montpellier. J'ai pas fait Béziers, ça c'est pour Madame Garcia. J'ai fait Nancy, enfin j'en ai fait plein. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas à Mondor, ce qu'on aimerait, c'est que la drépanocytose devienne une maladie qui se traite partout. Parce que là, on a un gros effet centre de référence qui fait qu'on a des gens qui viennent de Rouen, de Reims, d'Orléans pour les crises vaso-occlusives. C'est quand même pas très normal de faire 3 heures de route pour venir se faire soigner pour une crise vaso-occlusive. Donc moi, je plaide pour que tous les services d'urgence prennent en charge les patients drépanocytaires au mieux. Évidemment, c'est un peu un vœu pieux, mais parce qu'il faut aussi que les services derrière d'aval soient formés et que la réanimation soit formée, mais au moins quand même qu'on ait un maillage sur le territoire un peu plus homogène. Parce que c'est le fait de venir toujours dans les mêmes urgences, ça sature le système, et pour vous, c'est pas bien non plus, parce que évidemment, ça engendre un encombrement sur l'aval. Donc, il faut absolument essayer de répartir les forces de façon un peu plus harmonieuse. Merci beaucoup, professeur Kelaf. Si je peux ajouter quelque chose, parce que j'ai fait les témoignages de Madame Garcia, Madame Manou et de Fanny très intéressants, je pense qu'il faut absolument que vous alliez rencontrer les équipes soignantes. Ça, c'est quand ils vous verront habillés en civil, entendre ce que vous leur dites, là, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire du téléphone, l'accueil, etc., à froid, je pense que ça a beaucoup d'impact. Donc vraiment, n'hésitez pas à rencontrer les équipes soignantes et surtout paramédicales. Oui. C'est une parole qui a beaucoup de valeur. Ouais. C'est à froid, effectivement. À l'association de solliciter les équipes, les services des urgences pour pouvoir faire ce genre d'intervention. Non, hein, parce que quand on vous entend, bah, évidemment, on peut être que touché en tant que soignant, hein, c'est pas possible. Effectivement, le coup du téléphone, c'est un truc récurrent. À chaque fois que patient est sur le téléphone, on pense qu'il a pas mal et qu'il est toxicomane. Ça, c'est un truc récurrent. Il faut expliquer que vous utilisez le téléphone de façon à détourner votre douleur. C'est un peu l'hypnose, la transe, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, il faut expliquer ça aux soignants à froid parce qu'ils ne comprennent pas. Question, pourquoi les formations de CU et DU, drépanocytose, ne sont pas accessibles aux patients et proches de patients, mais seulement aux professionnels? Alors ça, je ne peux pas vous répondre, je suis responsable du DU, mais qui est-ce qui s'occupe de ça? C'est le professeur Bartolucci, on aurait voulu poser la question, ça n'a pas été dit, je pense. Voilà. Existe-t-il un protocole de prise en charge de la drépanocytose aux urgences? Ah oui, absolument. Oui. Absolument, mais finalement, quand je vous entends, de plus en plus, je me dis qu'il faut peut-être faire voler un petit peu en éclat les protocoles standardisés. Il faut peut-être faire plutôt du personnalisé. C'est une bonne remarque que j'ai retenue. Il faudra peut-être qu'on aille plutôt vers ça, parce qu'effectivement, le traitement de la douleur ne peut pas être le même. Déjà, entre un homme et une femme, c'est pas pareil, parce que l'homme est généralement un poids supérieur à une femme, donc ça veut dire que c'est pas les mêmes doses de morphine, déjà. Et ensuite, y a plein de choses qui interviennent. Il y a aussi ce que vous avez pris à la maison, la localisation de la douleur. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'on soit un peu plus personnalisé dans la prise en charge. Donc, est-ce qu'il faut vraiment des protocoles? C'est la question que je me pose. Alors, il y a une personne qui précise que nous cherchons pas d'autres traitements plus valables que la morphine. Pourquoi toujours la morphine si on a des douleurs, si on a des trop fortes douleurs?
Est-ce qu'il faut utiliser autre chose que la morphine, c'est ça que vous dites? Tout à fait, oui. Ouais. Pourquoi ne pas utiliser autre chose que la morphine? Plus forte la morphine, après, y a la kétamine. La kétamine, on l'utilise de temps en temps. Je trouve moins qu'avant, parce qu'on s'en sort de plus en plus avec des protocoles de morphine bien faits. Mais au-dessus de la morphine, on rentre quand même dans des choses compliquées, où c'est des produits quasiment anesthésiants. Là, ça devient compliqué. Hein. Moi, par la morphine, c'est quand même scandaleux hein, dans la crise vasoclusive. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on sera encore effectivement des protocoles de gestion de la crise. Ce qu'il faudrait, c'est éviter la crise. En fait. Donc, c'est pour ça qu'on attend des médicaments qui vous évitent de venir aux urgences. Hein. Mon rêve, c'est que vous n'ayez plus aux urgences. Hein. Alors, toi, parce qu'il n'y a plus de crise vasoclusive, toi, parce qu'on a trouvé un système pour que vous alliez directement dans les services ou dans les hôpitaux de jour. Ça, c'est mon rêve. Notamment parce que les patients drépanocytaires, souvent, ils arrivent très tard à l'hôpital. Hein. Je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense que vous n'avez tellement pas envie de venir à l'hôpital que vous attendez. Mais je suis sûr que si vous veniez plus tôt dans un service dédié le matin, avec un peu de lumière tamisée, de la lumière, un peu d'hypnose et tout ça serait quand même plus sympa que venir aux urgences au milieu de patients déments, psychiatriques. Donc, moi, je pense que l'avenir, c'est peut-être d'éviter les urgences. Merci beaucoup. On va conclure cette matinée pour les 16h. Écoutez, on se retrouve à 14h. Je vous souhaite à tous un bon appétit et merci d'avoir été aussi nombreux parce qu'on est à 230 là pour cette fin de session. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.